On va découvrir un duo cette semaine sur France Bleu Picardie, ZS, avec Samy, un des deux membres de ZS. Bonjour Samy. Salut. Alors, il y a également Clément qui fait partie de l'aventure, qu'on va peut-être présenter un petit peu. Samy, ouais, Clément, ZS, vous êtes qui exactement? Donc du coup, moi je me présente, c'est Samy, je suis une des parties de ZS, chanteur, guitariste, et je travaille depuis maintenant quelques temps avec Clément, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui, s'excuse, il aimerait beaucoup, mais je le remplace. Et donc c'est l'autre moitié de ZS qui, lui, est bassiste, chanteur également, et également guitariste. Très bien, alors un guitariste, bassiste, oui. Chanteur, mais dis donc, il manque un batteur. Ouais, c'est vrai. On a décidé de faire une version simplifiée, quoi. On va dire assez, assez épurée, quoi, dans le cadre d'un duo. Et pour l'instant, ça fonctionne bien. Enfin, en tout cas, on se plaît comme ça. Donc, même sans batteur, ça viendra peut-être. I gotta make this right, I gotta save my dreams, I gotta make you smile, I gotta touch my future, gonna stop the time, I gotta make it to the end, my soul will be tired, I gotta touch the fame, gotta make it with my hands, I gotta make you dance, to your fame, I gotta prove I'm whipping it, I'm living it, yeah, I'm feeling it, your turn, feed it on your brain, take your hands out of your pocket, and try to break your chains, if you don't dress for fame, make a move and make your mind on the silly things you do. Then you like it wear a tie, forget everything you knew. Moi, j'aimerais savoir comment vous vous êtes rencontrés, comment le groupe, finalement, il est né, parce que ça fait un petit moment que j'entends parler de vous. Vous venez d'où, en fait, vous deux? Alors, à la base, moi, je viens de l'Aisne, je me suis installé à Amiens, et j'ai toujours eu la musique dans mon environnement. Et le projet ZS est né en 2018. Il est vraiment né de la scène, en gros. Il est né pour le live, en fait. À la base, je fonctionnais avec un looper. Donc, je créais mes mélodies, en fait, directement en live. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontré avec Clément, parce que Clément est un jour venu à la Lune des Pirates où je jouais, et il m'a vu jouer. Okay. Et on s'est revus derrière à une soirée, donc ça nous a permis de discuter, et on a eu un très très bon ami en commun que je salue, qui s'appelle MB14, donc Mohamed, qui a enregistré son premier EP avec Clément, en tant qu'ingé son du coup. Et il m'a dit, il faut absolument que tu travailles avec lui, je suis sûr que vous allez très bien vous entendre. Et en fait, ça a été le cas. Donc Clément est devenu mon ingé son pour le premier EP. Le fait de bosser en duo, c'est pas si mal finalement, c'est pratique d'être à deux. On n'a pas tout un tas de musiciens pour se retrouver pour les répètes. Exactement. C'est plutôt une bonne formule. Ouais, carrément. Sur le plan, on va dire, organisationnel, technique, c'est quand même hyper cool, parce que c'est beaucoup moins de contraintes à ce niveau-là. Mmh. Et en plus de ça, le fait d'avoir travaillé avant, dans le cadre par exemple d'un enregistrement de paix où Clément était mon ingé, quand on est passé du coup à la scène en duo, ça s'est fait un peu naturellement, quoi, si tu veux. Donc ça, c'était vraiment cool. Côté identité, ça vient d'où, ZS? En termes d'identité musicale, tu veux dire? Oui, ou enfin, déjà non, le nom, en fait. Ah ouais, alors c'est assez mystérieux. Ouais, c'est assez mystérieux, mais en gros, à la base, j'avais un autre projet qui s'appelait VS. Donc vraiment, si je te dis en anglais, tu vois, donc THE plus loin S. Ouais. Et en fait, je me suis aperçu à un concert que les gens avaient grave du mal à le prononcer. Ils étaient là, genre soit TES, soit ZES, soit, enfin bref. Du coup, c'était un peu compliqué. Et comme j'ai des racines, si tu veux, j'ai des origines orientales du côté de mon père, je trouvais que ZS, ça faisait un truc, hein, voilà, qui appelait un peu justement ces notes-là orientales. Donc je trouvais ça cool de passer à ZS. Voilà. You can fit it on your brain, take your hands out of your pocket, and try to break your chains. If you don't dress for fame, make a move or make your mind on the silly things to do. When you're like it, wear a tie, forget everything you knew. Hands out of your pocket and try to break your chains. If you don't dress for fame, make a move and make your mind on the silly things you do. Then you like it, wear it tight, forget everything you knew. You can fit it on your brain, take your hands out of your pocket and try to break your chains. If you don't dress for fame, make a move and make your mind on the silly things you do.
Salut tout le monde. Salut. C'est ZS, on est trop content encore une fois de faire ces lives et ces streams ensemble. Salut. On espère que vous allez bien. Normalement, encore une fois, tout le monde nous entend et tout se passe bien. Salut Bambou Souple, salut Sophie. Il y a les fidèles qui sont là, comme je vois. Oui, trop bien. Ouais, Bambou Souple, on t'a pas vu il y a deux semaines. Comment ça te dire quand même. Bah, t'étais où? Salut Hammerman, c'est trop cool. Ah ça ouais, il y a toute l'équipe. Ouais. Okay. Ah yes, il y a Pan Manon aussi. Salut, salut. Trop cool de vous retrouver encore une fois. Ah dommage, cette nouvelle session. Manon. Ah, bon, ok, ça commence ouais. Hyper bien. Ça commence très fort. Ouais. Bambou Soup nous dit, ah bah désolé d'avoir une vie, mais on peut comprendre, hein. ça peut arriver. On espère que ça va d'ailleurs, genre que ça se passe bien. En tout cas, non, on est vraiment content de vous retrouver pour cette quatrième session, ça y est, ça commence à... Ouais. On commence à avoir de l'expérience dans le domaine, on peut dire, d'une certaine manière. Et ouais, on est là pour terminer, on va, avec vous en tout cas, terminer peut-être un peu la structure du Slurp Song. Et puis, ouais, structure enregistrement, il y a encore pas mal de choses à faire. Après, on s'occupera, comme on vous a dit, de faire les détails, peut-être pas en live, parce qu'il y a des trucs un petit peu chiants comme mixage et compagnie, enfin surtout un petit peu long, pas forcément chiant mais très long, donc là déjà on va terminer le son, essayer de terminer le son avec vous pour cette séance, dans les prises de son, hein, encore une fois. Et puis peut-être même que finalement ce sera la dernière session sur ce son-là et qu'on passera peut-être à la suite. Peut-être un nouveau son pour la prochaine session et on continuera de nous travailler en backup sur celui-ci, parce que évidemment l'idée c'est que on puisse le terminer, qu'on le balance sur les plateformes de streaming et que vous puissiez vous de votre côté l'écouter en disant à tous vos potes et à votre famille oui bah j'ai participé à l'écriture de ce son, j'ai donné des idées. Oui, qui est numéro 1 des ventes. Oui, numéro 1 des ventes à Amiens. Ce qui serait déjà très sympa d'ailleurs. oui, ce serait vraiment incroyable. Bon, Moussou dit on veut écrire les paroles. Donc là, c'est justement ce dont on va parler aujourd'hui, en sachant qu'on a déjà, nous, de notre côté, laissé aller notre élan créatif et d'auteur perturbé. Donc du coup, on a déjà écrit des paroles pour ce son-là. Mais du coup, l'idée, c'est de voir avec vous si on les garde comme ça, si on les change, si vous avez des choses à proposer en plus. Voilà. Donc, je vous propose d'y passer tout de suite. On va switcher sur l'écran de Clément et on va reprendre un peu là où on s'était arrêté finalement la dernière fois. On avait terminé une forme de structure quasiment quand on s'était, on s'était vu la dernière fois. Qui je pense va déjà bouger un petit peu. C'était, on avait eu quelques idées avec ça. Donc si on est sur mon écran, voilà. Bah, vous la voyez là-haut la structure. On avait terminé par ajouter une guitare un petit peu rock sur la fin. Ouais, donc pour l'instant on avait une guitare un petit peu vénère. On avait pensé en avec l'écriture des paroles là, inverser quelques petits trucs là-haut, donc ce sera pas très long à faire. Ce qui a à faire ensuite, bah ouais, ça va être du mixage. On a quand même quelques pistes à reposer. Ouais. Et ouais. Puis il va falloir ajouter les deux pistes de chant surtout, ouais. C'est surtout ça le boulot aujourd'hui. Ouais. Alors je propose qu'on commence par ce qu'on s'était dit juste avant, Clément. Moi j'avais une idée d'un couplet, enfin d'un mini couplet avec des répétitions qui donne un peu une vibe Imagine Dragons en fait. Et je voyais bien ça finalement après le premier refrain. Effectivement. Ouais, ici. Donc ouais, à la place de mandoline. Donc déjà faut décaler ça. Bah je vais le faire. Donc. Peut-être un peu loin, mais... Non, c'est le côté pratique, comme on a mis la structure là-haut, on peut maintenant juste bouger les éléments. Normalement, ça fait ça sans bug. Donc, ce qui fait qu'il y a un couplet qui va venir se caler ici, après le refrain, c'est bien ça. Oui, ce serait ça, mais du coup, ce serait une nouvelle, nouvelle prise de son, tu sais. Ouais, parce que là, c'était un couplet sans batterie. Ouais, t'avais... Ouais, de toute façon, donc faudrait peut-être recréer une petite drum pour ça. Et tu m'avais dit mandoline-refrain, c'est ça? Non, refrain-mandoline. Refrain-mandoline-bridge. Ok, bon, je vais faire les découpes, on va voir si ça... Ouais, en attendant, on a Pas de Manon qui nous dit disque de platine facile, Bambou Soup nous dit d'or et de platine TMTC.
Et Padmanon nous demande maintenant si ils peuvent donner des mots pour, enfin qu'on pourrait placer dans les paroles. C'est pas bête ça, c'est pas bête. Donc on va voir si on pourrait éventuellement faire ça sur ce qu'on a déjà écrit ou est-ce qu'on garde ça pour le prochain son, mais c'est un peu le challenge qu'on peut se donner aussi. Ouais, Euh, ouais, pourquoi pas, pourquoi pas essayer d'en placer dans les textes qu'on a déjà. ouais. Ok, donc ça c'est bon. Tu nous as refait la structure. La structure, c'est bon. Après, dans les découpes, T'as il y a la des trucs structure? bizarres qui se passent, forcément, tu vois. Il y a des Oui. petits. Mais c'est pas grave, ça, on checkera ça quand on finalisera le son. Ouais, complètement. Donc ouais, là en termes de structure, techniquement on est bon. Est-ce Ouais, je que pense que c'est avant bon. de passer aux paroles, suite de prise de son, etc., on essaie de voir comment on termine la chanson? Ouais, on avait besoin d'un avis pour ça. Ouais. Moi, j'aime bien l'idée de terminer sur les guitares overdrive, donc de gérer un petit peu mieux la fin. Je vous fais écouter le passage vite fait, les dernières mesures, quoi. Alors, en coupant un petit peu la batterie, mais tu vois, terminer un petit peu. Allez, terminer brut de pomme. Peut-être si je bouge ça. Tu vois, un truc comme ça, en rajoutant des effets, hein. L'autre question, c'était est-ce qu'on balance derrière ça un outro, c'est-à-dire une petite partie guitare un peu plus calme, pour vraiment faire outro, quoi. Donc, donnez-nous votre avis là-dessus. C'est vrai que vous ne pouvez pas écouter l'autre version, parce que si on fait ça, on l'a pas encore enregistré. Ouais, on l'a pas Voilà, il encore s'agirait enregistré. de rajouter une petite guitare tranquille, un peu comme ça, quoi. Ouais, un truc du genre. Ouais, un truc dans ce genre-là qui se calmerait, qui ferait outro pour Ça terminer pourrait le être morceau, ça. ou est-ce qu'on termine en gros sur Bambou souple, l'overdrive? t'inquiète pas, on va te donner l'univers, la thématique et tout une fois qu'on aura la statuée sur la fin du morceau. Donc toi, tu En votes pour outro un avec outro solo avec de solo guitare guitare. tranquille. Ok. Ok, donc solo de guitare classique tranquille, c'est ça. Mais oui, c'est vrai C'est-à-dire que la j'ai. partie vénère se termine et ensuite on arrive sur un truc calme, c'est ça que tu veux dire, ouais. Manon a dit. Pas de Manon a dit, j'aime beaucoup la outro. Lequel? C'est ça qu'on veut savoir, c'est quel outro? Ou tu préfères comme ça, celui qu'on t'a fait écouter, brut? Est-ce que ça pourrait. On pourrait revenir sur ce truc-là, genre un peu chill et doux avec tu sais, des petites notes à droite à gauche, mais. Tous. Bon. Ouais. Ça pourrait être un truc comme ça, tu vois. Le calme à la guitare. Ok, bon, on va partir là-dessus. Donc, ça fait une prise à faire pour toi. Ouais. À la fin, je le rajoute dans la structure. Il y a outro qui va venir se caler ici. Oula. J'ai mon clavier en QWERTY ou quoi? Ou alors, je sais plus écrire. On partirait sur un truc Donc, plutôt comme intro ça. ici. C'est magnifique. C'est vrai. Peut-être des trucs à l'italienne là. Moi, j'aime bien les trucs à l'italienne. Ouais. Ça pourrait être. J'ai pas les ongles qu'il faut pour ça, mais. Color de mi cielo. Un truc comme ça Ouais, pourrait on être pourrait la cool. rajouter au-dessus, celle-ci. Ouais. Ouais, carrément. Ouais, ok. El color de mi cielo. Ah, si. Ah, fait. Un autre truc qu'il y avait à régler la dernière fois aussi, c'était le side chain. Je vous avais parlé Side d'un chain, effet. oui. Ouais, il y avait ce truc-là à régler. Je sais pas si vous vous rappelez, mais sur la fin, bah, peut-être que le temps que tu te prépares à. Bah, ta guitare est déjà branchée, en fait, si je l'entends. Donc, à la rigueur, tu pourrais faire une prise. Enfin, faut peut-être que tu prennes le temps de réfléchir à ce que tu joues, mais tu m'avais l'air plutôt OP. Je suis plutôt OP. T'es Le truc, plutôt c'est OP? que. Ouais, je suis plutôt OP. Mais effectivement, à partir du moment où.
ou tac tac tac, ou je vais jouer. Ouais, il faudrait que... Ah, mais non, je peux jouer si je te mute, mais les gens vont plus t'entendre. Oui, donc ouais, non. De toute façon, non, mais vas-y, quand tu feras tes prises, ce sera silence radio, hein, t'inquiète. Ouais, ça marche. Mais oui, pour ceux qui étaient pas là sur la dernière session, on a fait une session assez technique, c'est vrai. On va pas se mentir, on a Ouais. parlé beaucoup d'effets, de mix, de machin, etc. C'est, voilà, c'était pour vous montrer un peu aussi à quoi ça ressemble ces périodes-là dans l'écriture. Mais oui, donc Clément, avec Clément, on a décidé de faire un effet qui s'appelle le sidechain. Et en gros, c'est un espèce de truc qui part sur un temps. Et en fait, ça va créer comme une ouverture au niveau du volume sur un instrument qu'on aura décidé. Et ça permet de donner une espèce d'ouverture comme ça sur plusieurs temps. Et donc Clément avait réussi à le faire plus ou moins la dernière fois. Après, on s'est rendu compte que ça marchait pas si bien. Ouais, j'avais oublié un petit détail. Ouais. Après, c'est ouais, on peut partir là-dessus pendant 2 minutes. Hein. Normalement, je peux régler ça en 2 minutes, j'espère. Donc, on voulait mettre ça sur cette partie-là. Il est Ouais, déjà le voilà, c'était ça. sidechain, Là. non? Il est déjà là en fait, mais le problème c'est que Oui, c'était avec le quand kick. Ok, oui, ouais. d'accord, ok. Donc en fait, il me faut un déclencheur. Le sidechain, c'est un effet d'aspiration, tu vois, pour onk, 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 onk. Exactement. Il faut un truc comme ça. Et pour avoir ça, il faut un déclencheur. Et le déclencheur, c'est un kick. Donc c'est une grosse caisse comme ça. À chaque fois que la grosse caisse tape, ça va aspirer le son. Donc en fait, on va relier 2 pistes entre elles. Mais on aimerait bien ne pas entendre la grosse caisse. Et c'était ça qui fonctionnait pas la dernière fois. Donc déjà, je vais juste régler le sidechain. Donc là, pour l'instant, on entend les deux. Et l'effet est bien appliqué. J'aimerais bien qu'on l'entende un peu plus fort, l'effet, donc je vais déjà le régler. Le but du jeu, c'est qu'à la fin, on n'entende pas la grosse caisse. Mais virtuellement, elle est toujours là puisqu'elle sert de déclencheur. C'est juste qu'on ne veut pas l'entendre, quoi. Alors, la mascotte qui passe devant l'écran. Vas-y, fais-toi Salut Jack plaisir. Jack. Voilà, là, j'ai abusé l'effet. Je sais pas si vous Ah voyez ce ouais, que ça ça fait en fait fait. À chaque tellement fois. Benny Benassi là. Ouais, de ouf. À chaque fois qu'il y a le kick qui tape, ça va déclencher un effet sur l'autre piste. Donc, ah, vas-y, Il se sinon frotte au passe micro en huit plus. fois devant moi. Hein. Ouais, il n'y a pas de souci, vas-y, passe. Et je crois que la solution, si je mute le kick, il disparaît et l'effet disparaît aussi. En fait, la solution que j'avais trouvée, c'est. Donc, le kick, il est là. Hein. C'est cette piste-là, on veut qu'elle soit là, mais on veut plus entendre. Donc, je vais l'envoyer en fait dans un bus. Pas un bus de véhicule, hein, on est Un d'accord. bus Rien à de véhicule. voir Alors, avec un le bus, véhicule. je vous dis vite fait ce que c'est. En gros, c'est une piste dans laquelle je peux faire monter plusieurs pistes. En fait, je peux faire monter plusieurs passagers. Donc là, les pistes. Et par exemple, si je fais monter tous les chants ou toutes les guitares dans un bus guitare, ça, c'en est un d'ailleurs. Ça, c'est un bus guitare. Par exemple, Samy va nous enregistrer 83 guitares tout à Exactement, l'heure. bien sûr. Je peux prendre les 83 guitares et au lieu de mettre par exemple de la réverb sur les 83 pistes, je peux toutes les faire monter dans le bus et je mets une réverb sur le bus et c'est comme si elles étaient toutes traitées en même temps. Ça Mais si sert un tu les peu à fais ça. monter dans le bus, ça devient un véhicule. Oui, ça devient un véhicule alors que là c'est une piste, oui. Une piste. Donc plutôt un avion d'ailleurs. Bon Oui, allez, non, allez. allez, c'est bon, ça suffit. C'est bon là. Donc là, je crée le bus. Pareil, je peux baisser le volume de toutes les guitares d'un coup plutôt que de sélectionner toutes les pistes. Donc les bus, ça sert à pas mal de choses. Et là, ça sert à feinter le truc. Donc j'ai créé le bus. Je suis pas sûr que ça marche, mais Arrête normalement, ça va le de faire. m'envoyer des perches de ouf. Ouais, non, faut que j'arrête de faire ça. Ça part tellement n'importe où après. Donc c'est parti. J'ai envoyé le kick dans le bus. On l'entend toujours, mais normalement, si je baisse le volume du bus, il disparaît et l'effet est toujours là. C'est le bus magique, Manon, C'est le effectivement. bus magique. Ouais. Là, je sais pas si vous voyez, mais sur la piste ici GMS, c'est la piste électro sur laquelle je veux l'effet. Je sais pas s'il y a assez de définition dans le stream pour que vous voyez ça, mais il y a une petite barre jaune qui me Ouais, dit si on qu'il y a la bien voit. un effet qui s'applique. Ouais. Et on entend l'effet. Hein. Donc j'essaie avec le tout. Ah, c'est trop bien. Donc ça a marché. Voilà ce que c'est qu'un sidechain. D'ailleurs, je crois qu'on peut sidechain plein de trucs. Là, j'ai sidechain un compresseur, mais on pourrait le faire avec une reverb, j'imagine, avec plein de trucs en fait. Est-ce que pour montrer vraiment la transition et nous faire une petite Fred et Jamy là, tu pourrais balancer la piste avec et sans le sidechain, tu sais, mais avec le tout. Vas-y, vas-y, miaule devant le micro aussi, hein. Pas de soucis. Hey, Alors. on va vraiment le sampler un jour.
Ouais, lui, il faut qu'il serve à quelque chose. Hein. Ah oui. Donc, j'essaye le sidechain. Voilà, là, c'est 100. 100, ouais. Je l'active. Très bien. Pas de Manon, bambou souple, on vous voit. Hein. J'ai un pas de Paname, et de Marley Gaumont, on connaît. Hein. En tout cas, le beat est bon, donc ça, c'est cool. Oh, petit détail. Il est en train de ronronner dans le micro, là. Ouais, ouais, t'entends ça? Un montage okay, du chat qui boit du thé dans, pour la pochette. La mascotte et le sidechain, c'est fait. Bah, on est bon, c'est parti. Et ben le live est terminé. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci c'est beaucoup. Formidable. Merci à vous. Hey, attends, Clément, tu veux montrer la petite nouveauté qu'on a avec ta caméra? Ouais, mais parce qu'on a un mec en régie vidéo. Ouais, aujourd'hui on a un mec qui ouais, genre il est vraiment au taquet sur la caméra là. Enfin, le mec c'est toi d'ailleurs, mais. Oui. Là vous voyez pas, mais en fait j'ai une petite manette. Et ah, ouais. Par contre, ça marche pas avec le haut et le bas. Non, ça marche pas avec le haut et bas. Je trouve que t'as un peu déconné avec ça d'ailleurs, mais on en parlera hors antenne si tu veux bien. Oui, bien sûr, on fera le point dessus. Ouais, bravo encore pour la technique, hein. Régie vidéo, franchement, nickel. Avec plaisir. Mais je vous en supplie. Je vous en supplie. Est-ce que c'est bon pour vous? Ok, on passe donc à la suite. Maintenant, l'outro. On go à outro. On bah, essaye de faire ouais. Ça, genre vite fait, bien fait. On passe à autre chose après. Ouais, c'est ça. Yay. Ok. Donc, tonton. Je commence à être un peu trop à l'aise, je crois. Ouais. Ça, c'est quand on est tous les deux normalement. Allez là, on écrit sur quoi? Ahmed, la outro d'abord, my bad. Oui, Bambou Soupe, t'inquiète, vas-y, on va torcher la outro, ça va aller très vite. Vas-y, vas-y, il va nous faire une piste en deux secondes, genre bien, bien pourrave, mais on va la prendre quand même. Quoi. On va dire que ça fera l'affaire. Donc là, pour rappel, on est sur mon écran, ce que vous voyez, c'est mon PC, donc il faut qu'il enregistre de son côté sur le sien, qu'il m'envoie le truc sur le drive, mais la dernière fois, on avait réussi à gérer ça assez vite. Ouais. Je pense que ça c'est bien. Ouais, c'était joli. Donc, si maintenant. Oui, en fait, là, à partir de là, Clément, tu ne dois plus parler, je crois. Ouais, mais je vais muter mon micro comme ça. Mute, donc. T'auras pas de ronron dans le, ouais, dans le truc. Ouais. C'est parti, c'est muté pour moi. Puis moi, du coup, je vais me mettre une petite piste de batterie quand même. Ah oui, mais non, en fait, attends, si... Ouais, si, c'est bon. Ok. Alors, let's go, guys. On y croit. On va essayer de faire ça en une prise. Ah, mais là, il va m'enregistrer ça, en fait. Attends, est-ce que... Ah, mais là, il va m'enregistrer. Ouais, c'est un... Je m'en doutais. Clément, je pense que j'ai un souci. Est-ce que tu pourrais, pour faire ça vraiment bien, est-ce que tu pourrais m'envoyer plutôt un clic de ton côté? Bah ouais, mais tu vas avoir la compression. Ah ouais, je vais l'entendre. mais oui. Hey. Bah tu sais quoi, vas-y, on le fait à l'arrache, je m'en fous. Vas-y, on est là. Ouais, c'est ce que j'allais dire, fais-le sans tempo, puis c'est bien. De toute façon, c'est un outro, on n'a pas besoin de tempo. Allez, c'est parti. C'est pas, voilà, on est d'accord, on n'est pas sur une prise non plus formidable. Non, mais c'était cool.
Par contre, je me dis qu'on voulait réenregistrer sur le couplet après le premier refrain. Ah oui, c'est vrai. Et là, il me faudrait... Bah, tu sais quoi, je vais le faire en acoustique de mon côté. Ouais, fait, ouais, puis, clairement. C'est histoire clairement. D'avoir le truc, quoi. Est-ce que juste on ajoute quelque chose Attends, je mets ce que je viens de jouer, là. Un truc comme ça, tu sais. Ouais, genre... le problème, c'est que tu seras obligé de le faire sans entendre ta première guitare. Ouais, bah du coup, on va se dire que je vais le faire plus tard. Comme ça, on aura vraiment la structure, c'est ça qui compte en tout cas pour cette session. Ouais, ouais. Parce que sinon, on va partir sur des bails de... Des bails là... Morena. On est vraiment trop à l'aise. Ça ne va pas du tout. Vas-y, envoie-moi cette piste. Je t'envoie cette piste, qu'on en finisse. Outro GTC. Tu le mets dans ouais, guitare. Je te le mets dans les guitares. Salut Pibouche02. Bienvenue. Salut. Sur le stream. Deuxième du nom. Guitare Samy. Oui, je suis pas du tout au bon endroit. Ah non, attends, on a perdu Clément. Pardon, je reviens sur toi, Clément. C'est bon. Je suis là. Ah oui, d'accord, ok, ouais. Si je fais ça, on te perd. Ok, eh bien, on ne te perdra plus jamais. Jamais. Ah bah ça y est. On t'a perdu. Ah, mais moi, j'ai une latence avec le... C'est le ouais, stream, oui, crois. Sur le stream, ouais, pareil. Ok, c'est enfin, une bon. Une latence de l'enfer. Hein. Ouais, une latence de 1000 secondes, on est d'accord. Ouais, de 1000 secondes. C'est sur le drive, là. Oui. Ouais, ça y est, je la vois. Ok, donc drive, boom. Drive, boom. Drive, boom. Drive, boom. Tant mieux pour vous. Je l'ai, et normalement, d'un simple glissé, merveille de la technologie. Alors, attends, sur quelle piste je vais la mettre? Attends, je vais déjà réfléchir avant de la caler n'importe où. Bah, sur la même que celle-ci. Ok, donc je prends et ça glisse ici. Salut Suora Music, c'est la première fois que tu t'exprimes sur le chat. Bienvenue sur le stream. Et ça donne ça. Bon, t'as la double prise, hein. On est sur micro et DI en même temps, c'est pas incroyablement calibré, mais... Suora Music, tu demandes qu'est-ce qu'on fait comme genre de musique? On fait de la warm pop. Donc en fait, c'est de la pop, tout simplement, mais on a pas mal d'influences orientales, espagnoles, etc. Et sur une base, ouais, vraiment pop, rock, du style, je sais pas... Bah là, le son qu'on est en train de faire ensemble avec, du coup, le reste de la communauté, c'est... On a une vibe plutôt Muse, je dirais, sur ce son-là, dans un premier temps. Qu'est-ce ouais, qu'on surtout pense, sur la fin, ouais. Mm. Ouais, j'en pense. Bambou Soup dit, on fait du gros métal, sa mère. On fait du gros métal, sa mère. Attends, j'écoute la transition, désolé. Non, vas-y, j'étais en train vas-y. De parler, je vais être sûr de bien caler la piste. Ok, bon, il y a un petit silence avant, mais ça, ce sera réglé au mixage. On y verra que du feu, c'est promis. Ouais, puis là, c'est une grosse latence, là, entre les deux, là, mais... Ouais, et puis avec la guitare un peu sicilienne que tu nous as promis par-dessus, là, ça va être magnifique. Ouais, ça va okay, être Ok, donc on a notre outro, c'était un choix des spectateurs, donc nickel, ça c'est gardé. Ok, du coup on passe au couplet, nouveau couplet, avec l'acoustique. Ouais, alors nouveau couplet, effectivement on pensait changer un petit peu la structure d'accord, donc il va falloir réenregistrer. Ça implique aussi que la basse devrait être faite, ouais, ça collera plus. Hein. Donc je vais virer la basse à cet endroit-là. Est-ce que c'est la même longueur? Oui, c'est de la même longueur. C'est la même longueur, okay. Globalement. Alors il va falloir tout virer, hein, même ces guitares-là qui restent, oui. Les guitares arpèges. Suora, tu fais de l'EDM, toi, de ton côté. Ok, tu produis avec quel logiciel?
FL Studio, oh, mais oui, regarde. Nous vous aussi. Êtes, vous êtes en nombre. Vous êtes en nombre. Clément travaille sur Studio One, mais moi je travaille sur FL Studio, effectivement. Donc c'est vrai que c'est cool. Pour tout ce qui est, on vous l'avait dit, hein, sur, pour le reste du chat, que FL Studio, c'est un logiciel qui est hyper bien pour faire du beatmaking. Donc c'est vrai que pour ça, c'est hyper cool. Ouais, Ableton Live, ça c'est sûr, surtout pour les concerts, etc. Vraiment, c'est un truc de ouf. Ableton, c'est trop cool. Très optimisé pour les sessions live. Ok, donc du coup, Clément, est-ce que tu sais ce que tu dois faire ? Non, mais j'allais dire, tu vas me lâcher les accords, genre EBM dièse diminué 8. Augmenter 8, 9. Augmenter 8, 13. EBM 1000. Du coup, on part sur un Mi majeur. Chaud, hein ? Ouais, je sais, c'est un accord hyper complexe. Qu'est-ce que tu entends par feedback Swora Music ? Donc ouais, on commence par un petit... un Fa. Ouais, un Fa majeur. Et un A. Non, AM. Sol majeur. Ah oui, il y a un Sol entre deux. Ouais. Et après, un La mineur. Salut Sam, bienvenue sur le stream. Ouais, exactement. Swora Music, retour si sur track, la guitare en DI, mais... et on donne notre avis. On n'a jamais fait ça en live, après on peut le faire. Et c'est trop cool, Clément vient de recevoir un raid. Donc un raid, je sais pas si tu sais ce que c'est. Est-ce que je vais t'expliquer ce que c'est. Un raid, en gros, ouais, c'est vas-y, des... Explique-moi, parce qu'il y a 2 semaines, tu m'expliquais ce que c'était Twitch. C'est ça. Un raid, en gros, c'est quelqu'un qui stream, qui nous envoie les gens qui participent à son stream sur le nôtre, en fait. Donc ouais, merci c'est beaucoup. Plutôt cool. Ouais, ouais, merci, ouais, ouais. Hein. C'est très très gentil, Vonk, ça fait grave plaisir. Merci beaucoup d'avoir pensé à nous. C'est grave cool. Et donc bienvenue à tout le monde, bienvenue à toutes ces nouvelles personnes. Donc nous on s'appelle ZS, on fait de la musique en live, on fait de la prod parce qu'on est à distance. Moi j'habite à Montréal, Clément habite en France, à Amiens. Et en gros on a un groupe et on voulait pas arrêter de faire du son. Donc maintenant on le fait en live avec vous. On vous propose parfois de prendre des décisions sur certaines choses. Donc voilà. Et là on est... actuellement en train de faire une guitare. Ouais. On va enregistrer une guitare, donc je prends le temps de m'accorder, désolé. Prends donc, ça fait partie du travail. Merci beaucoup Gong, ça fait vraiment plaisir. Donc là on est sur on est vraiment sur du 4-4, hein, c'est 4 accords. Hein. Alors j'ai une question aussi pour ceux qui font de la guitare. Qui dans ce monde utilise cet accordeur là horrible de mode strobe. Regarde ça, que c'est l'enfer. En tout cas c'est très plaisant à l'oreille. c'est l'enfer ce truc. Je sais que ce mode existe, mais alors la vache. Ouais, mais alors Vonk dit ces musiciens qui s'accordent au lieu de jouer faux, quel calvaire. Donc c'est très gentil, mais on aurait pu se dire qu'on aurait pu s'accorder avant. Oui, moi je savais pas que j'ai utilisé l'acoustique à ma décharge, mais oui, non, c'est vrai. Alors vas-y, dis-moi tout. Est-ce que déjà les accords, je les place comme ça déjà dans le temps? Oui, ça c'est très bien. Enfin, c'est okay. Comme ça que je le voyais moi. Mais est-ce que je palme mute ou est-ce que j'y vais Et bah on va, tu sais, on va faire crescendo. Ok, alors je sais pas si j'ai beaucoup de place. Le but c'est, donc pour tout le monde, c'est de l'enregistrer dans ce petit carré là. Bah en fait on le fait 4 fois. On va le faire 4 fois. Ok, par contre la partie qui arrive après... C'est ouais, ça va, il y a assez de pêche pour... Ouais, bah justement ouais c'est ça. Et en fait... Alors faut que je me débarrasse de toutes ces guitares là par contre. Ouais. Et petite subtilité, Clément, parce que tu sais que je suis un homme subtil. Vas-y, tout. Sur la dernière phrase, du coup, au lieu de faire... On va faire... Ok. C'est
c'est un sol dièse. Sol dièse, exactement. Ok, ça se tente. Donc, dans l'ordre, attends, je crée ma piste, hop. Trop de trucs ici. Je vais faire dupliquer celle-là, comme ça j'aurai les effets. Je suis en combien? 10. Ça vous parle pas, mais je me parle à moi-même, comme ça je me comprends. Ok. Bambou Soup qui fait notre community manager. Mais la dernière, je mets de la rythmique ou genre je plaque quoi? Non, on y va genre en mode pour que ça fasse l'enchaînement avec le refrain. My ass, tu vois, genre. Comme ça? Exactement. Non, non, c'est okay. Bien, c'est bien comme ça. Bah, c'est pas mal. Attends, je clique, je suis dans le rouge. Pour ceux que ça intéresse, là, le petit point rouge ici me dit que je balance trop de gains. Et du coup, ça va faire à peu près ce son-là. Alors, il n'y a pas de batterie aussi dans cette section-là, donc je pourrais en copier-coller une, mais je vais juste mettre un clic. Vous allez adorer ça, le clic. Il va falloir que je le mette plus fort, par contre. Bon, je vais tester comme ça, vas-y, c'est parti. On va voir ce que ça donne. Alors là, il y a un truc qui se passe qui va pas, c'est que j'enregistre. Ouais, c'est bon. Ça roule, let's go! Ok, j'entendais pas beaucoup le clic, donc je suis peut-être pas nickel dans les temps par contre. C'est pas grave, t'as entendu mon outro, t'as vu ce que c'était. Ouais. C'est pas assez fort. Ouais, ça va le faire. Ça va okay. Le faire, pour ça c'est bien. On la refera au propre, ouais, ok. Ok, trop cool. Donc la piste est là, elle est pas centrée. Non mais c'est bon, vas-y, je me débrouillerai de ça après. Donc, par contre, il n'y a pas la basse. Oui, pour l'instant on n'a pas de basse, c'est vrai. Faut que je mette une drum aussi dessus, j'imagine. Ben, ouais, peut-être. Poum poum tchak, hein, ça te parle. Bambou Souple, qu'est-ce que t'en penses? C'était Bambou Souple. Bambou Souffle, on a besoin de ton expertise là. On avait aussi une deuxième batterie, c'était celle-ci, je crois. Oui, c'est vrai, ouais, c'est ce qu'on avait fait la ça dernière peut fois. Bien coller avec ça. Hein. Bon, ça arriverait comme un cheveu sur la soupe au milieu du truc, mais. Attends, j'essaye, je la mets, hein. C'est que ça coûte un copier-coller. Et bah, Vonk, peut-être pour une prochaine session, parce que l'idée c'est que là, on va arriver sur la fin de ce premier son. Et on va passer à une autre création, on va repartir de zéro. Donc, peut-être pour une prochaine. J'ai mis la deuxième batterie pour voir. Ouais, c'est pas mal, mais... A bientôt, Vonk. Merci beaucoup d'être passé. C'est hyper cool. Salut. Ouais, le raid, ça fait monter pas mal. Ouais, pas mal, c'est cool, hein, c'est grave cool. Hein. C'est bien, ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Merci beaucoup. Salut Eidolon et Toz, bienvenue sur le chat. Alors, bah, question, c'est le moment de vous demander votre avis. La batterie. Ouais. La question, c'est ça c'est la batterie originale. C'est ce qui s'enchaîne en fait. Donc là, on est en train de travailler sur cette section-là, pardon, donc le refrain. En fait, il y a un couplet entouré par deux refrains avec la batterie originale. Donc, est-ce que je mets une batterie différente sur le couplet? Ça peut faire un peu bizarre.
Ouais, ça fait un changement de batterie. J'aime bien parce que ça colle bien avec la guitare, mais ça fait un changement qui est peut-être pas bienvenu, quoi. Et sinon, alors ouais, alors Sophie propose la deuxième parce que c'est vrai qu'elle est pas mal. Moi, je te proposerais de garder la deuxième et t'enlèves le kick. T'enlèves le kick sur les deux premières parties. Ok, donc sur ça. Ouais. Alors j'enlève le kick. C'est tellement un bordel cette piste de percus, my god. La campise est un peu vénère. Ouais, putain la vache. Il y en a partout, gros, c'est insane. Ouais. Bon, les kicks, c'est souvent C. Voilà, c'est ça. Donc attends. Voilà, donc je les coupe ici. Il faudra penser au cut à la fin aussi. Donc ouais. Sans kick. Et là, on les fait revenir. Alors ici, il faut un cut. Ouais. Faut virer celui-là, déjà, c'est sûr. Et on va juste virer deux petits charlets à la fin, voire que un. Faudrait peut-être soit une open hat, soit une petite crash, c'est genre... Et dans le vide, genre... Tss. Ouais, ça. Sur le dernier. Ouais, l'un ou l'autre, en vrai. Mais... On n'avait pas mis sur ce kit-là, je crois. J'ai celle-ci qui traîne. Oui, on peut mettre ça en attendant, peut-être qu'on en trouvera une plus belle. FDS 5-1... Quoi, une plus belle? Non, elle est pas belle ma open hat là. Elle est pas belle ma open. Qu'est-ce que j'ai dit déjà? FDS 5. FDS 5. Tu vas voir, FDS 5. FDS 5 mon gars, mais parfait FDS 5. Ok. Donc pour l'instant, elle est ici. Ou alors, est-ce qu'on la met en contre-temps? C'est wesh. Désolé. Ah, c'est pas mal comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? Est-ce que vous préférez sur le temps ou à contre-temps? C'est à vous de choisir. Let's go. Donc, à contre-temps, c'est ça. Et sur le temps, ici. Oui, pas de Manon, j'ai sorti l'accent... l'accent de naissance, t'as vu? L'accent tard l'époque. On peut réécouter, oui, donc je vous mets encore une mesure avant parce que sinon c'est un peu brut de pomme. Donc ça c'était le contretemps. Je la remets sur le temps. On entend plus la démarcation quand c'est sur le temps avec la batterie d'après, donc peut-être contretemps ça glisse. Bah, en tout cas tout le monde dit contretemps dans le chat. Bon bah contretemps ouais. Ouais, tu vois, ça fait glisser la deuxième batterie. C'est clair. Le contre-temps. C'est parti. Est-ce que pas belle ma charlée ouverte? Elle est magnifique cette charlée ouverte. Voilà. Est-ce qu'on peut rajouter du kick quand il y a la reprise de kick là sur ce couplet? Ouais. Vas-y, attends, remets-moi au moment où il arrive. Est-ce qu'on pourrait faire un kick genre tout, 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 tout? Tu vois? Ok. Il en faut un là. Oui, bah comme d'hab, vous savez qu'on parle énormément en onomatopée ici. Comme ça? Ouais, tu sais, genre que ça vienne marquer les snares aussi, tu vois. Ouais, ça roule ça? Je trouve ça pas mal. Ok, attends, la partie elle va jusque là. Bah ouais, petit copier-coller, puis c'est bien. Oula, pourquoi j'en ai deux? Ouais, là, il y en a full. Ouais, celui-là en trop. Ouais, celui-là, peut-être tu peux le... Dégage. Ok. Oui. Est-ce que je pose une base vite fait ou... Bah, moi, je te propose qu'on passe à la suite. Ouais. Visiblement, la commu est on fire sur l'idée de faire fire. Les paroles. Ouais, complètement, complètement, complètement. Donc, ok.
Alors, on va passer du coup à effectivement une autre partie qui est hyper importante dans la création des sons. Salut Millefleur, trop trop cool de t'avoir sur le stream. Pourquoi j'ai pris cette voix? Je sais pas. Je sais pas, une voix de présentateur de Ouais, Twitch, ça me ouais, parle. c'est correct, ça va, Très bien, genre ça très bien. passe très bien, merci. Donc effectivement, on est sur un son que j'ai nommé dans un premier temps Maelstrom. Je ne sais pas si c'est un terme qui parle à tout le monde. En gros, c'est un typhon. Enfin, non, pas un typhon. C'est pas vraiment une bonne définition. C'est un courant marin formant un tourbillon. Voilà. Si vous voulez vraiment genre la belle définition. Donc, je sais pas si vous avez vu par exemple Pirates des Caraïbes le numéro 3. À un moment, je sais pas, il y a un combat de bateau entre deux bateaux, puis ils se retrouvent dans un espèce de tourbillon. Et bah, ce tourbillon, c'est un maelstrom. Et Un donc. chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre de son époque, bien sûr. Et en gros, le son en lui-même. Alors bon, attends, juste Bamboussoum nous dit j'ai des paroles sur l'anticapitalisme, ça va bien avec le Maelstrom. Oui, ça pourrait bien aller avec le Maelstrom. On va Certes. voir comment finalement on peut inclure des paroles sur l'anticapitalisme. Parce qu'en fait, ce son parle d'une relation toxique finalement entre deux personnes. Sur une relation d'emprise un peu et comment se sortir finalement de cette relation d'emprise, ça va être un peu le lien avec la fin du son qu'on a écrite il y a 2 semaines. Donc du coup voilà, l'idée ce serait quand même qu'on essaye de vous partager les paroles, je suppose, mais on n'a pas réfléchi à ça, Clément, Non, avec ouais, nos carrément, tu vois. avec Les nos paroles, on écrans. les a, là, tu vois, elles sont On là sous les nos a yeux. sous le nez, mais pas vous. Donc je vais trouver un moyen de le faire. Je vais revenir sur cet écran pour l'instant. Sur ton partage à toi, peut-être, ouais. De Ah, peut-être sur mon partage à moi, tiens. Si je faisais ça. toute façon, régie vidéo, t'es trop fort, je sais que tu vas trouver. Oh, merci. Et si je décide par exemple de copier. Ah non, non, je sais ce que je vais faire. Oh là là, ces transitions. Oui, toujours, hein. Alors, je vois pas qui a dit ça, mais oui, c'était sûr que c'était pas de Manon qui dit c'est joyeux comme thème. Oui, mais tu sais très bien que toi qui es venu à tant de concerts de ZS, on aime bien faire des instrus qui bougent, ou en tout cas, tu vois, qui emportent, quoi, mais avec des thématiques de texte qui peuvent parfois être un peu plus sombres. Parce qu'on trouve que c'est un beau mariage, et on a pas mal de sons finalement qui commencent à être comme ça. C'est vrai. Papa, pa, pa. Alors si je mets ça, yes, normalement le texte s'affiche, mais je sais pas en quel genre de qualité vous avez ça. Ça me semble assez petit. On entend encore Jack Jack Ronflet ou c'est toi? Ouais, il s'est pointé là. Ok. Alors ce que je vais faire, je vais le faire à l'arrache là, comme on est. Ouais, attends, je le vois arriver. Ouais. C'est Ça y est. notre essence, exactement. Ok, alors je vais faire ça, comme ça on va agrandir cette fenêtre. Désolé, hein, je fais du management de web en même temps que je vous parle. Tu peux plein écran ton navigateur, je crois, F11 ou un truc comme ça. Je vais même juste agrandir le. Tu sais, hop. Il va crap. Le spécialiste du crop. On est là pour cropper. Ok, On normalement crop, on crop. là c'est pas mal, hein. Là c'est pas mal, je crois. Bon, ça fait un gros écran blanc là, mais genre au Trop moins. tard, j'ai déjà copié le lien. Je vais hacker ton internet. Eh ben bon courage, Oussam. Donc Il a une effectivement. protection au moins web. Donc Ouais, tu complètement. arriveras jamais quoi. Je suis sur Avast de toute façon. Donc du coup, la Ah base ben là c'est mort. antivirus a Ah été là. mise à jour. Qu'est-ce que tu vas faire C'est contre mort, ça? mort, mort. Ouais. Alors, il y a Manon qui a vu le. Le forte respiration x4. On va expliquer ce Ouais, ça donne ça, ça fait forte respiration fois quatre. que Et fois. Voilà. Eh, le pire, c'est que tu me l'as fait sur Messenger quand on en a parlé. Ouais, mais gros, sur Messenger, je fais trop de trucs avec toi. Oui, C'est vrai, elle je me rend sais. fou notre conversation, je crois. Alors, on a Bamboussoup qui nous dit: The world I see is not what it seems, a nightmare wrapped in a beautiful dream. Waouh, c'est hyper deep, Ah mec. ouais. Waouh, attends, c'est vraiment stylé, hein. Genre,
Ouais, ça a l'air, ultra chiant à prononcer, mais ouais. Non, mais ouais, franchement. Là, je suis en train de me dire, va falloir le chanter, le truc. Va falloir chanter ça. Mais la question, c'est où est-ce qu'on va le caler. Tu peux pas mettre The ball is red. Voilà, the sky is blue, and I'm happy. Et voilà, tu vois, c'est bon, numéro 1 des ventes. Ok, alors, c'est une super phrase, genre vraiment, elle est très intéressante. Et en plus, elle colle plus ou moins à la thématique du son. Ouais, j'étais en train de me dire, est-ce qu'on pourrait pas le mettre genre à la place de ce que j'avais prévu, enfin le Yeah I've held it back too long, tu vois, genre on peut le caler là-dedans, ouais. C'était où ça? Attends, bah on peut mettre deux phrases en fait. Tu vois, au lieu de mettre x4, tu mets oui, complètement. Tu mets deux phrases l'une après l'autre et x2. Alors on pourrait faire ça, genre par exemple The world I see, et là il faudrait faire juste la liaison. The world I see is not what it seems. Tu vois, genre pour pas avoir le is not. The world I see is not what it seems, a nightmare wrapped in. Ouais. A moment is not what it seems, a nightmare wrapped in beautiful dream. A nightmare wrapped in. Ça va passer. Attends. Ouais, mais ça va. Ouais, faut manger des mots, puis ça va le faire. Ou ouais, Sam, soit pas jaloux, c'est pas grave. T'as dit quoi, Clément? Pardon, excuse-moi, j'ai pas. Le A Beautiful Dreams, ça, on vire le E avant, non? In Beautiful Dreams. Et on met un S à. Et on met un dream, S, ouais, ça bien. Pourrait. Ouais. In Beautiful Dreams. Alors, il y a. Bon, Boussoup a proposé. Non, Oussam a proposé Pretty. Pretty Dreams. C'est vrai que du coup ça nous fait gagner une syllabe. C'est pas bête. Syllabe, oui, ou ça, on a compris Pretty Dreams, t'inquiète, on va le mettre. Une syllabe à notre époque, ça vaut très cher, donc nickel. Attends, j'ai perdu le texte, je suis remonté trop. Okay. Attends, mais on va le mettre. Je vais copier la phrase et je vais le mettre sur le. Parce que moi aussi j'étais sur le chat là comme un enfant. Pretty Dreams. Ouais, ok, Pretty, c'est good. The world I see is not what it seems, and I'm wrapped in pretty dreams. Yes. Ah, nickel. Ça passe de ouf. Qu'est-ce que vous en pensez, le reste du chat? Est-ce que cette phrase vous convient? Ou est-ce qu'on le remplace par The sky is blue and the ball is red and I'm happy? Yeah, I've had it back too long and know it's screaming to get out of what I see. The world I see is not what it seems, and I'm arriving in pretty dreams. C'est cool, hein? Ouais, nickel. Avec le x2, là, c'est bien. Ça fait deux phrases différentes. J'aime bien. Ok, donc ça fait ça. Ok. Je vais juste mettre ma guitare correctement pour pouvoir le chanter dans des bonnes conditions. Juste vraiment pour s'entraîner, là. Yeah, I've held it back too long and now it's screaming to get out of where I see is not what it seems, a nightmare I've been pretty dreams. And yeah, held it back too long and now it's screaming to get out of where I see is not what it seems, a nightmare I've been pretty dreams. And my hands from my hands down. Cool. Ouais, nickel. Cool, on garde ça carrément. Très joli. On a Hammerman80 qui nous propose Brian in the kitchen says it's nice. Brian the kitchen. Alors. Brian the kitchen says it's nice. Bamboussouk, tu nous proposes In Good Old Dreams. Tu voudrais le mettre où sur la fin du coup genre A Nightmare Wrapped in Good Old Dreams, I guess. Je pense que ça devait. I suppose. Faut mettre le S d'ailleurs. Pretty Dreams, ouais. Yay! Millie qui nous dit: moi je piche que dalle, chante en français. Non, Millie, pas en français, pas maintenant. Peut-être on pourrait essayer. Alors, de le faire. Après, mais... pour l'instant, il y a deux phrases ici, il y a de la place pour quatre. Donc si vous en avez d'autres qui vous passent par la tête. Mais en fait, ouais, moi je pensais vraiment partir. Comment ça sur, tu sais, la répétition importante du coup, et qu'on puisse vocaliser par-dessus et faire des... Après on peut toujours harmoniser, ouais. Ouais, on va faire des bacs de ouf. Mais en fait,
Je vais vous montrer l'inspiration. Enfin, l'inspiration. On est au. Enfin voilà, on est tous d'accord que l'inspiration, c'est pas du plagiat, c'est pas parce que genre on a entendu quelque chose quelque part et qu'on veut reproduire Mais un peu cette chose t'inquiète. que c'est du plagiat. Mais ça me fait beaucoup penser en fait à un son de Imagine Dragons là quand on en parle. Et ce son, c'est Follow You. Je vais vous faire écouter. Alors ça va être un peu moche parce que je vais vous faire écouter directement de mon téléphone à mon micro, mais juste pour qu'on ait tous un peu l'idée de ce que ça pourrait donner. Ouais, et c'est exactement ce passage. Ce passage. On pourrait faire un truc comme ça. Tu vois? Un truc qui vient comme ça, genre de loin, tu sais, genre. Avec des. Ah, ok, ouais, il y a un crescendo, hein, j'ai pas tiqué. Ouais, en crescendo, exactement. Salut, bonsoir. Abassel, bonsoir à toi. Et bienvenue, bonsoir. On est super content de vous avoir. C'est un beau jour. Pardon, excusez-moi. Ok, donc on a ce truc-là, c'est cool. Est-ce qu'on va rajouter autre chose? En gros, là où on essaye beaucoup de jouer avec Clément sur la façon dont on écrit les choses, c'est soit qu'on harmonise beaucoup finalement nos chants, soit on fait du question-réponse. Donc par exemple, sur les deux premiers couplets que vous voyez là, ce serait plus de l'harmonie. En tout cas, la façon dont ça a été écrit, ce serait plus de l'harmonie, quoi. Et à partir du troisième couplet, là, le Because of You, on pourrait être sur du question-réponse. Ça ferait genre Because of you, I've been a fool. Because of you, I've been a fool. Ah non, mais attends, je me trompe. Because of you, I've been a fool. Ouais, ça. Because of you, I've been a fool. Been a fool. Trapped down left with no tool. Not easy. You cast a spell, a dirty spell. That's my mistake. Is it? Yeah, it was time for me to take a break from you. Et celle-là à deux, ouais. Et celle-là à deux, exactement. Alors, Bambou Soup nous propose. J'avais Quoi, ça. Non, mais toi? Bambou Soup, il a un carnet. Il a un carnet de notes. Bambou Soup, c'est sûr. On sait, Bambou Soup, à vous. J'avais ça aussi, si jamais. I want to break free from the chains that Chain bind, of to shatter the illusions illusion. that are so unkind. Alors, la première, elle passe. Je veux dire, on a le temps de la caler. I want to break free from the chain that bind. Ça se cale. La deuxième. Shattered the illusions. Alors, je pense qu'on peut enlever le the. Ça juge pas du tout, au contraire, tu es dans une safe place, Bambou Faut que ce Souple. soit. Faut que ce soit. Ouais, faut speeder sur le unkind, enfin sur les dernières. Effectivement, on enlève le the. Donc, tu shattered the illusions that are so unkind. Si c'est la dernière phrase, ça passe de déborder en fait. Yes, ok. To shatter illusions. Ok, I want I want to break free from the chain. Non. I want to break I free want. from the chain. C'est le I, je pense, à contre-temps. I want to break from the Break free chains from the chain that bind. Ouais, ok, comme ça on arrive à l'heure, ouais. On arrive. Il faut que la phrase Grâce de. au bus. Grâce au. Grâce au bus, ouais. Non, mais c'est trop bien d'avoir des propositions comme ça. Faut voir où est-ce qu'on peut le Bah juste, caler. sinon, si tu vois, le I want, on doit le dire avant, donc sur la troisième phrase, il débordera sur la phrase d'avant. Si jamais on n'a pas le temps, on commence par break free direct. Ouais, c'est vrai qu'on peut dire break Break free. free from the chain that binds, shatter illusion. Parce que, en fait, Ouais, le faut truc de, speeder sur sur la. le to shatter the illusions that are so unkind, on pourrait le changer en to shatter unkind illusions directement, tu vois. Ouais, bien vu. Ça nous fait gagner, ça nous fait gagner du time et des syllabes de ouf. J'ai toujours cru qu'on disait Ouais, ok. syllabes, mais non, pas du tout, c'est syllabes. Ah ouais? Ouais, Ça arrive, ça ben arrive. oui, ça arrive, hein, tu sais. Ok, donc ça, est-ce qu'on essaye de le caler quelque part? Break free from the now. Ouais, Ouais, en fait, ça break va être la free, comme reprise, c'est c'est. ça. Pretty dreams and break free from the chains that bind the shadow unkind illusions.
Et en fait, ouais, donc, si on fait ça, il nous faudrait une quatrième phrase qui termine Ouais. en jeunes, quoi. Genre. Bah celle-ci, je la voyais bien en quatrième, je sais pas pourquoi. Ah, en dernier, du coup? Ouais, non, mais je sais même, je peux pas te l'expliquer, je peux pas Non, argumenter non, du coup. mais Ouais. si tu le sens comme ça, Clément, c'est que c'est Je le comme ça que ça doit sentais en être. quatrième, ouais, donc il en faudra une troisième, du coup, juste avant. On peut mettre forte respiration x 4. Forte respiration fois 4. Crise d'asthme, c'est le nom du son, tu vois. Genre. Qu'est-ce qu'on va y arriver? Nine rotten pretty dreams. No, no, De toute façon, va certainement nous pondre une quatrième phrase. J'en Oui, suis bombe sûr. souple, On peut le faire. n'hésite pas à nous pondre une quatrième phrase si tu l'as. Ou Sam aussi, je sais que t'es motivé aussi à nous écrire des phrases, donc let's go, lance-toi. Alors, supprimer d'un saut, ça donnerait. Mais oui, mais comme Ouais, je t'ai c'est ça dit, que en t'avais dit, fait, unkind ouais, en fait, plutôt que dire illusion. illusions that are so unkind, on peut dire directement unkind illusions. Ouais. Bah, c'est ça, shatter unkind illusions. Bah, ce sera plutôt inversé. Dans ma tête, c'est ça, hein. Je suis pas prof d'anglais, mais je crois que Non, mais ça m'a l'air bon. c'est la formulation qu'on doit utiliser. Je sais que Oussam est très, 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 très fort en anglais. Du coup, si tu peux nous éclairer de ton expérience. Nous dire s'il y a des bourdes dans le texte, mais Non, mais ça a l'air d'aller. En tout cas, là, ça pour a l'instant, l'air il a dit oui, bon. c'est ça. Ok, cool. Bon, et tu sais quoi? On réfléchit encore là-dessus. On va commencer à poser. Ouais, Parce que par contre, le. t'avais un souci de impute, non? J'avais complètement un souci d'impute, ouais. Ah ouais, j'avais carrément un souci. Attends. Est-ce que je peux faire autrement? Je vais réfléchir. Ou sinon, tu cales un charlet, puis tant pis, hein. Il y aura un charlet dans la Tant pis, prise. ouais. C'est vrai, c'est vrai. Un charlet sur les temps, et puis quand on refera les prises au propre, on le Pardon. dira, quoi. Bon, Boussoup Ouais, qui dit, t'entends. on, non, non, il dit dans une chanson la syntaxe OSEF. Ouais, c'est clair. Ouais, C'est pas même le faux, sens de la chanson, finalement, on s'en fout, quoi. ouais, grave. Ouais. Sky is blue, the ball is red, I'm happy, yeah. Voilà, nouvel album. Nickel. Trois Ce que morceaux je vais comme faire, ça. je vais essayer un truc. Wow, et ma voix vient de partir en live. Je vais essayer un truc. Si je fais ça, je vais couper ça. Je coupe ça. Ah, pourquoi j'ai coupé ça? Je vais T'entends essayer. toujours? Ouais, Tu coupes des trucs sur la table? Ouais. non. Ouais, non, je coupe des logiciels chez moi carrément. Je les Ah ouais. slice. Ouais, fais gaffe. Ouais, non, mais j'avoue, je fais Ça le. va exploser. Ouais. Là, mon PC, il est en tension. Ouais, alors on va tester un Je truc. t'envoie du flux, tu me renvoies du flux et tout. Je vais tester un truc. Vas-y, attends, je fais une prise de voix là. Genre bonjour, bonjour, voilà, je suis ravi d'être là. Bonjour, je parle en même temps pour voir Tu si ça pas. rentre Non, dans alors ton ça rentre pas, audio. donc ça c'est formidable. Par contre, la question c'est est-ce que si moi je le joue. Voilà, genre bonjour, vous Ouais, l'entendez. Voilà, si genre tu joues le son, tu bonjour, l'as. bonjour, voilà, je suis ravi d'être là. Vous l'avez entendu ou pas? Non, vous l'avez pas Non. entendu, je pense. Ok, donc ça veut dire qu'il faut que je le mette sur Ou alors, auxiliaire. attends, si on m'entend pas, moi je te balance le son Oui, non, mais en c'est ça en fond. fait, tu vas pouvoir me balancer le son. Voilà, genre, et là vous Bonjour. entendez Ouais, ok. bonjour, voilà, je suis ravi Et là, d'être on là. entend. Yeah, c'est bon, on a trouvé. Bah, Désolé ça va, pour t'as ça. réglé ton souci assez vite. Ah, par contre, on t'a perdu. Non, c'est bon, je On m'a tenais perdu, ouais, à. carrément, ouais. Mais ils m'entendent quand même? Ouais, dans tous les cas, on t'entend. Ok, donc on va pouvoir partir sur une Putain, le mec première prise. active un truc audio, il y a une caméra qui disparaît. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Je fais ce que je peux, Clément, mais vraiment, tu sais, c'est dur. Ah non, mais déjà, je sais que tu fais beaucoup, genre, franchement, beau live, quoi. La régie vidéo est taquée. Une petite Ok. perte de caméra, qu'est-ce que c'est, quoi? Ah, mais attends, mais on t'a encore perdu, c'est pas possible. Je. Ouais, mais s'ils m'entendent, c'est bon, t'inquiète. Ah, Je je sais pourquoi on t'a pourrais me perdu, gratter le nez ouais. comme ça. Je sais ce que je vais faire. Ah, voilà, on va faire ça. On va faire ça. Et normalement, ça devrait aller. Si tu. Si. Yes, c'est bon. Parfait. So, on va pouvoir y aller. On part du début du Bah son, donc en je fait, tout simplement. t'envoie le du début, ouais, c'est ça. Tu poses sur l'intro ou pas déjà? Oui. Ouais, d'ailleurs, ça c'était un.
Une question qu'on peut vous poser aussi au chat. On est à peu près sur 3 minutes, je crois, de son, à 3 minutes 20 avec ce qu'on a rajouté. Et donc, l'idée, c'est de savoir le début du son. Est-ce qu'on commence direct comme ça? Est-ce qu'on chante tout de suite? Moi, je trouve que l'idée est intéressante parce qu'on a souvent tendance à faire l'inverse avec Clément. On a tendance plutôt à faire des intros, vraiment. Des intros, mais comac. Ouais, des intros, quoi. Et là, ce serait peut-être pas mal albums, de... Des albums, et ensuite, il y a le couplet qui arrive. C'est Pink Floyd, le truc, tu vois. On fait 17 minutes d'intro. Et là, ce serait peut-être pas mal de commencer directement par le chant, mais peut-être que vous préférez une intro. De toute façon, il y a l'équivalent de 3 couplets, donc ouais. Sur la structure, on voit intro, couplet, couplet, ouais. Soit on rajoute un couplet, soit on chante sur l'intro. On a pas de Manon qui nous propose la phrase « You're like a shadow seeking me wherever I go ». Ok. Ça peut être pas mal. On va peut-être pouvoir l'inclure aussi. Ah, alors, on a Bamboo Soup qui nous dit « On chante Po, pas le temps de niaiser ». Pas le temps de niaiser. Et on a pas de Manon qui nous dit « S'il y a outro, l'intro est peut-être de trop ». Trop, trop. Pardon. Donc ok, let's go, on y va, on chante direct. Donc bien vu. Ouais, on commence. Okay. Il va falloir que je t'envoie un clic. C'est quoi, je t'envoie une bonne mesure de batterie, enfin plutôt. Mais tu peux même, oui, tu peux m'envoyer, tu sais, genre 4 temps avant et après, bam, direct sur le couplet, non? Ah oui, non, oui, non, parce que l'intro, il y a pas de batterie, c'est ça. Ok, donc on va mettre une batterie fictive sur l'intro, non? Ouais, ou un clic. Sans le faire sur la gratte, un clic. Ok, donc je t'ai mis deux mesures de batterie que je virerai après, bien sûr. Ça fait ça, et ensuite, c'est parti. T'entends le clic? Ouais, je l'entends, parfait. Tu le veux plus fort ou non? Ouais, hésite pas à pousser un peu le tout, en fait. Ok. Parfait. Alors désolé pour vos oreilles, si je pousse le tout, vous l'avez... oui, c'est vrai, pardon pour vous, d'ailleurs. Donc on y va avec ça, et puis bah advienne que pourra, hein, j'ai envie de dire. Vas-y. T'es chaud? Ouais, je suis chaud de ouf. C'est parti. Once again you proved me wrong. I failed to trust you after all you've done. And even in my memory, trying to hold me, but I'm not alone. Your craziness was hidden down behind your pretty eyes. I've begged you so much more than I should have realized. You ain't a lover, you just love to despise. You were the devastation in disguise. On peut s'arrêter là? Certainement, ouais. Que vous avez eu ça en décalage, mais... Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Ouais. Moi, j'avais un décalage de ouf. Ouais, mais c'est normal. Mais certainement que du coup, quand je vais t'envoyer la piste, ce sera, tu sais, ce sera bien calé. Ouais. Donc désolé pour ce décalage. Moi j'ai le décalage et peut-être pas eux, parce que toi tu as toutes les sources en même temps. Oui, mais je pense que si, parce que je le pense. Parce que voilà, parce que. Oh putain, c'est fort, pardon. Ouais, c'est vraiment fort. Ouais, moi j'avais un décalage gros, c'est limite tu chantais sur l'outro là. Ouais, bah, en plus je me demande s'il va pas falloir la faire parce que vraiment j'ai crié quoi. You and lover. Ouais, wow, ouais, non, vas-y, c'est bon, ça va passer. Tu veux dire certainement ça que vous... Hein? Tu veux dire que ça clip? Enfin, il y a trop de gains, non? Non, ça va encore. Mais de toute façon, je me dis, on va la refaire. Donc... Enfin, on la refera au moment, vas-y, pour vas-y. La suite. Non, non, mais pas là, je vais te l'envoyer. Tiens, oui, de toute façon, on la refera. Donc, ouais, t'emmerdes pas. On peut s'arrêter là? On va. Ouais. Okay. C'est très troublant, hein, d'avoir sa voix là, tu sais, qui parle en même temps. Ok, je t'exporte. Je t'entends moins fort que tout à l'heure déjà. C'est normal. Là, tu m'entends mieux. Vous m'entendez mieux. Ouais, parce que moi, j'utilise qu'un seul micro, donc c'est chiant. Tu sais, c'est mon micro voix et en même temps mon micro de stream. Donc, du coup, c'est un peu, un peu compliqué. Ok, donc je t'envoie ça. Toi, si tu veux, tu vas pouvoir soit harmoniser, soit on continue. Je sais pas. Comme tu veux, quoi. Je suis chaud d'harmoniser sur les deux premiers couplets. Alors attends, que je connais moins bien. Once again, you prove me wrong. Bah, tu vas me donner la piste et que je vais la caler. Ouais, je vais l'écouter, ouais. Mais il faudra qu'elle soit calée. Attends, je vais préparer la piste dans laquelle je vais la mettre. Hop. Ouais, moi je te balance ça sur le drive.
Qu'est-ce que vous en pensez le du bah alors là vous l'avez entendu en décalage déjà, mais est-ce que vous aimez Je crois pas hein. Est-ce que vous aimez la prosodie? J'adore ce mot. Ouais, aimez-vous la prosodie? Il faut le dire ça. La prosodie, ouais, donc voilà, les petites mélodies, la petite mélodie et la façon dont c'est chanté, etc. Est-ce que vous aimez? Si vous aimez pas, n'hésitez pas à le dire. Appuyez sur 1. Ouais, appuyez sur 1, mais le truc c'est que bah, si vous aimez pas ma voix, je vais pas pouvoir faire mieux, quoi. c'est un peu le problème, c'est que... Et si vous aimez, du coup, appuyez sur 1 aussi, donc... et si vous aimez pas, appuyez sur 1, dans tous les cas. Appuyez, enfin. C'est bon, c'est uploadé sur le drive, ça s'appelle couplet 1 et 2. Ça s'appelle très justement couplet 1 et 2. Ah oui, Alors du coup... Ah, tu les as coupés pour que ça tombe pile poil? Ah non. Non, pas pile poil, j'ai désolé. Petit... Désolé, ouais. je suis chiant avec ça. Je te cale. Ouais, bien sûr, vas-y. Je te remets sur d'ailleurs. Donc, il faut mettre un. Ok. Alors habituellement j'aime bien te baquer en low, mais t'es déjà assez low. Ouais. Enfin tu me diras, ça passe, y'a quand même de la place. On a pardon, excuse-moi Guillaume. Non t'inquiète, j'essaye un peu. Trying to hold me but I'm not alone. Je peux descendre et ensuite remonter. Ouais. Trying to hold me but I'm not alone. Je réessaye hein, juste pour me caler en même temps. Once again, ouais, c'est le chat. Once again. Ouais. Ça va aller. Once again you prove me wrong. I failed to trust you like a lot of time. Ok, I failed avant. And even in my memories. Trying to hold me but I'm not alone. Ok, I failed to trust. Trust sur le temps. Trying to hunt et hunt sur le temps. Je retente. Once again you prove me wrong. I failed to trust you after all you've done. And even in my memories, trying to hold me, but I'm not alone. Attends, faut que je calme bien le trying. Trying to hold me, but I'm not alone. Trying to hold me, but I'm not alone. Ok, ça va se faire en plusieurs essais parce que du coup, je dois faire oui, en sorte d'être pile en même temps que toi. Et j'essaye, j'aurais peut-être moins de soucis à faire rentrer le input. Enfin, y a intérêt d'ailleurs. Once again you burn it wrong. Je mets ce magnifique micro, bah vous le voyez pas mais il ressemble à rien en fait. Attends, penche ta tête, mets ton track, tu sais que ça te track. Ouais non, du coup t'es caché. j'ai perdu le truc, puis avec la latence en plus je vois pas le... Attends, on fait voir si je fais ça. Non, il veut non. plus là. Non, bah non, là t'as disparu, clairement. Non, mais c'est à cause de la boule. La boule. Bon, de toute façon, ça a rien de la voir, c'est une grosse boule. Alors attends, elle rentre en. Mahmoud Soup nous dit qu'il a plein de phrases, d'autres phrases de mecs torturés si jamais on a besoin d'un jour. Et ben, bah, on va bien s'entendre, tu vas peut-être écrire pour nous. Je sais pas si vous m'entendez encore. Si, quand je fais on t'entend. Ça. Je suis passé sur l'autre micro. Ouais, c'est un truc de ouf! Ouais, bah ça fait plus radio. Exactement. TSF Jazz. Ouais, ça fait. TSF Jazz. Ok, attends, je vérifie les gains, tout ça, puis c'est parti. Je rentre en 11.
Ok, ça rentre pas mal. Je m'affiche les paroles quand même. Once again you proved me wrong. I failed to trust you after all you've done. Once again you proved me wrong. I failed to trust you after all you've done. Ça va, je suis pas sur les mêmes notes, je crois. Non, je crois que c'est bon. Non, c'est bon. I failed to trust you after all you've done. And even in my memories, trying to hold me, but I'm not alone. Je suis descendu trop low. Waouh, t'es descendu so low. Ouais, comme je suis près du micro, c'est facile à faire, mais. Trying to hold me, but I'm not alone. Ouais, je descends comme ça. Vas-y, j'essaye. Désolé, trop près. Once again you proved me wrong. I failed to trust you after all you've done. And even in my memories, trying to haunt you but I'm not alone. J'aurais dû me mettre un clic, je suis pas nickel avec toi sur les dernières. Vas-y, bah, prends le temps de mettre un clic. Once again you proved me wrong. Ah, il y a le chat qui miaule. C'est pas grave, mais de toute façon, c'est des prises témoins, tu sais. Once again you proved me wrong. I failed to trust you after all you've done. And even in my memories, trying to haunt you but I'm not alone. Ok. Oui. Once again you proved me wrong. I failed to trust you after all you've done. And even in my memories, trying to haunt you but I'm not alone. Oui. Your craziness was hidden down behind your pretty eyes. I've begged you so much more than I should have realized. You weren't a lover, you just love to despise. You were the devastation in disguise. Your craziness was hidden down behind your pretty eyes. I begged you so much more than I should have realized. You weren't a lover, you just love to despise. You were the devastation in disguise. You weren't a lover, you just love to despise. You were the lies. You weren't a lover, you just love to despise. You were the devastation in disguise. Okay. Your craziness was hidden down behind your pretty eyes. I begged you so much more than I should have realized. You weren't a lover, you just love to despise. You were the devastation in disguise. Ok, vas-y, je la tente. Ouais. Il va y avoir des ba-ba-ba, mais c'est pas. Oui, mais c'est bien les ba-ba-ba aussi. Les ba-ba-ba. Your craziness was hidden down behind your pretty eyes. I begged you so much more than I should have realized. You weren't a lover, you just love to despise. You were the devastation in disguise. Ok. C'est pas mal. Oups. Oups. Oupsie. Et c'est là, normalisé. Hop. Your craziness was hidden down behind your pretty eyes. I begged you so much more than I should have realized. You weren't a lover, you just love to despise. You were the devastation in disguise. C'est pas mal, hein? Moi, je peux en rajouter une pour montrer un peu au chat. Ouais, une armo, tu vois. Genre, je pensais là sur le deuxième couplet en mettre une un peu plus aiguë. Tu vois? Au début t'étais où? Non, enfin sur le deuxième couplet, pardon. Ok, ok. Tu vois? Ok, vas-y, ouais. Je t'envoie le témoin avec les deux voix. Ouais. Il y a la batterie à ce moment-là, de toute façon, je crois. Ah, ouais, c'est bon. Ouais, du coup, désolé. Désolé parce que bah, vous allez entendre en décalage, malheureusement. Merci pour le follow, Endman Droid. Endman Droid, oui, ça. Merci beaucoup, ça fait grave plaisir. Et bienvenue sur cette aventure Twitch. Vas-y, bah, quand tu veux. Vous allez m'entendre un peu moins fort, mais c'est pas grave.
Hop. Vas-y, je t'envoie dès le début, comme ça c'est fait. Once again you prove me wrong. I failed to trust you after. Je pense que là, juste deux voix, c'est bien. And even in my memories, trying to haunt me, but I'm not alone. Your craziness was hidden down behind your pretty eyes. I begged you so much more than I should have realized. You were a lover. Là, je l'ai pas, désolé. On va la refaire. Je l'ai pas, en fait, je me suis pas entraîné, tu sais. Genre, j'ai dit, vas-y, on y va. Ah, moi, c'est pareil, genre, je me suis jamais entraîné à chanter le deuxième couplet. I begged you so much more than I should have realized. Et moi, je fais you were a lover. You were a lover. You just love to despise you. You were the devastation. Ouais, ça enchaîne. You were a lover, you just love to despise. You were the devastation in his guise. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Vas-y, let's go. On va au milieu du deuxième. Vas-y. And even in my memories, trying to haunt me, but I'm not alone. Ok. Your craziness was hidden down behind your pretty eyes. I begged you so much more than I should have realized. You were a lover, you just like to despise. You were the devastation in disguise. Y'a eu un petit frôlement. Bah, j'entends en canon, donc ouais, en canon, j'entends en canon. J'entends en canon. Bonjour, j'entends en canon. Bonjour. Ça suffit. Ok. Oui. Celle duo, elle serait beaucoup plus haute. Yes. Ok. Couplet 2, back, boom, Samy, ça part sur le drive. Instantané. Il est de façon instantanée. Ça va le chat? Est-ce que c'est. Bah, alors là ça où va, effectivement. Ouais, est-ce que vous êtes chaud? Non, mais c'est vrai que là, du coup, on est. Désolé, on est reparti sur les trucs un peu genre. Un peu précis quoi, mais oui c'est comme ça qu'on construit finalement nos mélodies, c'est comme ça qu'on décide si on garde, si on garde pas, etc. Donc vaut mieux en avoir plus, ouais. Ou en général on a tendance à en faire trop, ça c'est vrai. Ouais, et après on coupe. Et après on coupe, et on le dit à chaque fois. Mais oui, on préfère en avoir too much, quitte à épurer derrière. Je le vois pas encore arriver dans le drive. Là, par contre, il arrive. Est, par contre, est, toi, on ne te voit plus. Et maintenant, on te voit. On me voit, on me voit plus, on me voit plus, on me voit, on me voit plus. On me voit. La magie du direct. Alors, attends, c'est couplé de Samy, hein, celui-là. Voilà. Oui. 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 Et donc, c'est ça. Ça va. Alors, par contre, pareil, je dois le recaler à la mano. Donc, il faudra qu'il soit tout le poil ensemble. Bah, bon, ça se voit à peu près, quoique. Ouais, désolé, je t'ai encore coupé ça comme un cochon là. Genre. Ah, ici, non, ça va. Non, c'est plutôt ça, on dirait. Ouais. Ok. Allez, disons ça, on essaye. Je te panne. Panne-moi donc. Je te panne. Ah, tant que je les repère, il y a ça, ça. On va mettre le low au centre. You craziness. Un peu fort, pardon. C'est un petit peu fort. Down behind your pretty eyes, I've begged you so much more than I should have realized. You were a lover, you just love to despise. You were the devastation in disguise. Craziness was hidden down behind your pretty eyes. I begged you so much more than I should have realized. You were a lover, you just love to despise. You were the devastation in disguise. Après bon, c'est le début du morceau, mais même. Your craziness was hidden down behind your pretty eyes. C'est, tu sais, la même que toi, un peu aiguë. Bon, on verra ça. Ah oui, tu parles de ton bac à toi. Ouais. C'est ok. Your craziness was hidden down behind your pretty eyes. I begged you so much more than I should have realized. You were a lover, you just love to despise. You were the devastation in disguise. Tu vois, on pourrait en rajouter 1000 comme d'hab. Ouais, grave. Mais bon. Mais non. Mais pas faire ça à chaque fois. On peut pas faire ça. I begged you so much more than I should have realized. You were a lover, you just love to despise. En fait, peut-être après, enfin, on verra parce que la mienne elle est très très low, mais ça s'arrangera au mixage, je pense.
En vrai, tu vois, je pourrais faire genre You and lover. Tu vois, genre partir vraiment du haut. Ouais. You and lover, you just love to despise. You are the devastation in disguise. Je pense qu'on va partir là-dessus, ce sera pas mal. Ok. Waouh, je commence à avoir faim de ouf. Désolé. Je sens mon ventre qui. Et quelle heure chez toi? Là, il est 13h20. Ouais. Mais vous aussi, il est 19h20, donc vous devez commencer à avoir faim, peut-être, si vous êtes des vieilles personnes. Non, je rigole. Inclément. Mec qui a tout le temps faim et qui en plus est vieux, donc forcément il a faim le monsieur. Monsieur a toujours faim. Monsieur est toujours ok pour manger, il n'y a aucun problème. Ok. Donc ça, c'est voilà, c'est pour vous montrer un peu à quoi ça va ressembler. Bon, c'est pas la version finale, encore une fois. On va le... De toute façon, moi, j'ai... Là, Clément, lui, il a le filtre anti-pop qui permet de réduire les peu, les se, etc. Moi, je l'ai pas. Ouais, tu le fais avec un dynamique, là. Ouais, je suis... Non, non, même pas, c'est, ça reste... Non, même pas, c'est un statique. C'est un statique, mais j'ai pas le filtre. Je l'ai, il est rangé. Donc, faut que je le sorte et que je refasse les prises. Bref. Est-ce que... Je suis en train de réfléchir. Est-ce que on réécouterait pas quand même vite fait un peu l'ensemble de l'instru? Parce qu'il y a aussi des gens qui sont là qui nous suivent, qui tu sais, qui l'ont peut-être ouais, pas écouté. Vas-y, ouais, t'as raison. Bah vous aurez du chant au début du coup. Ouais. Once again you proved me wrong. I failed to trust you after all you've done. And even in my memories. Trying to hold me but I'm not alone. Your craziness was hidden down behind your pretty eyes. J'ai dit you à la place de me sur le premier couplet. C'est pas grave. Il y a un truc qui va pas, c'est ça. You were the devastation in disguise. Refrain. Il faut pas oublier qu'on a le slurp, hein. On l'entend toujours, hein. Slurp, c'est la base de notre son. Il va falloir travailler la transition là, entre les deux aussi. Ouais, mais c'est pareil, il n'y a pas de basse ici, donc ça... Après, ce que vous entendez, pour ceux qui arrivent, c'est pas encore mixé, c'est vraiment que les prises. Refrain, du coup. Là, on serait sur le pont. Ah oui, ouais, c'est vrai. On voulait le reposer aussi en guitare. Petit passage d'instru, ouais, on va refaire de la guitare dessus. Clément a écrit pour une partie de texte pour ici. Ouais, sur le bridge, ouais, ok. Et cette partie-là, c'est celle qu'on avait finalisée il y a 2 semaines, du coup. Avec notre Born in the USA, là. Qu'on a posé tout à l'heure, ouais. Donc il manque les arrangements pour faire glisser les parties ouais, entre elles. Entre elles et puis oui le chat. Et et puis le traitement audio, le mixage, etc. Ouais. Ça nous fait combien de temps, Clément, ça? Ça nous fait. Alors attends, parce que je pars pas de zéro, bah faut juste déduire 7 secondes et là il y a il y a 3,26. Ouais ouais. Donc, ça va encore comme longueur. Non non c'est. C'est toujours dans toujours vraiment ce qu'on fait à chaque fois quoi. Ouais. Ok, trop cool.
Parfait. Donc bah du coup ouais, on va continuer effectivement pour les prises de voix pour que ce soit propre. On avait donc d'autres phrases. Je vais revenir quand même vite fait là-dessus pour pas qu'on oublie qui étaient proposées dans le chat. On avait ouais parce qu'il nous en manque une. Ouais. Alors il y avait pas de Manon qui nous avait proposé You're like a shadow seeking me wherever I go. Et bambou souple, est-ce que j'ai oublié une de tes phrases? Alors, à quelle est ici? Elle peut passer en dernière celle-ci en fait, parce que tu sais, elle est pas, il y a moins de syllabes. Ou samedi, ça fait du bien d'entendre en entier, ouais. J'aurais pas la même boucle en tête toute la semaine, oui c'est vrai. Cette boucle qui nous rend fou. C'était tes boucles de guitare, Clément, moi qui me rendais fou. Pendant qu'on bosse dessus, j'ai envie de la virer. Je sais même pas si on va la garder finalement. Si on prend cette décision, c'est une décision importante auquel le chat doit participer. Fais-nous écouter cette boucle de guitare et on verra ce que le chat en pense. Ouais, c'est ça en fait. On l'avait trouvé assez vite fait. Donc c'était dans les premières. Mais moi je trouve ça cool. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Mais justement, elle reste en tête, donc c'est bien, tu vois. Après, faut pas que ça devienne aliénant, mais. Ouais. Ouais. Alien tout court. Oui, et donc du coup, on avait la troisième phrase qu'on avait, c'était You're like a shadow seeking me wherever I go. Donc, ouais, si... donc on la laisse en troisième, et puis. Ah ben non, celle qui avait été proposée là. Du coup, oui, on en avait. Celle-ci en quatrième, You're like a shadow seeking me wherever I go. Tu sais, on peut faire des coupures dedans si on la met en quatrième en fait. Sophie dit, ça définit un peu le morceau, la boucle de guitare, donc je trouve, donc ce serait dommage de l'enlever. Je suis assez d'accord. Ok, bah vas-y, on la garde. De toute façon, elles seront toutes reposées au propre. Donc... Oui, complètement. C'était le Illusions Unkind qu'on n'avait pas, pas copié. Ouais, c'est ça, il en manquait une. Okay. Attends, je vais regarder. Oui, c'est ça. Il fallait inverser. Want to break free, blablabla. Ok, je vais la noter. Donc c'était quoi? On partait direct. Demande to break free, hein, du coup c'était ça. Hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, avec le break sur le temps. Si je reprends le texte. Change the point. Ok. The world I see is not what it seems, and I'm a riding pretty dream to break free from the shades by the shatter. Unkind illusions. Ouais, direct unkind. Fais une petite pause avant la dernière, ouais. Comme elle est plus courte. You're like a shadow, taking me wherever I go. Un truc comme ça. Mais ouais, je prendrais bien un truc en jeunes quand même. Sick. You're a monster, bye bye. Oui, c'est vrai que ça pourrait. Ça pourrait. You're just a monster, bye bye. Woo, woo. Fin du morceau. Il faut enlever le bien vu. Est-ce que vous avez un mot qui pourrait venir rimer avec illusions? Allez le chat, vous avez 4 illusions heures. Vous avez ouais, 4 heures, c'est... Bah, envoyez-nous des DM. Si vous faites ça. Tu vas recevoir des DM toute la nuit, gros. Jones. Même Jack, ça le fait ouais, péter un câble. D'accord. Depressions. Ça se dit depression? C'est pas genre... depression, genre en anglais. C'est pas genre la dépression... De pluie atmosphérique. Ouais. Fusions. Ouais,
Ah, Fusion, ça pourrait peut-être être intéressant Ouais. avec le You Like a Shadow Seeking Me, puisque on pourrait sur un bail de t'sais, une ombre qui veut fusionner avec toi, tu vois. Ouais. Alors attends, tu l'as calé où du coup? Bah à la Bah, sur fin, la parce que dernière You're phrase. Lying. Intention. Ah, Ça marche, ouais. c'était une boutade depression. Ah bon? Ouais, fusion intention, c'est pas mal. Fusion intention, unwanted fusion. You're like a shadow seeking for. Bah, tu es seeking for fusion, un Ouais, truc parce comme que ça. si on rajoute une deuxième partie de phrase, il faut enlever le whatever. Ouais, Ça va être vraiment bah en tout carré. cas pour que ça rime, effectivement. To break free from the chains that bind the shadow, unkind illusions, you're like a shadow seeking for. Non, Unwanted fusion. ouais, ça dépend si on enchaîne ou si on fait des petites Ouais, je pauses, pense que quoi. ce serait bien d'avoir une petite coupure juste avant de reprendre avec le Ouais, en Maelstrom. plus, c'est la dernière. Ouais. You're like shadow. Tu remplacerais Seeking par un truc plus proche de Shadow, genre Follow. You're like Shadow. Ouais, c'est vrai que j'aime bien aussi cette idée de, t'sais, d'utiliser des mots qui riment ensemble, mais tu sais, à la Ouais, suite. dans la même phrase, ouais. On a Sophie Shadow. qui nous propose Reasons. Redemption Ouais. de Slowly Colibri. Eh, hey, waouh, vous êtes trop fort le chat. Merci, Ouais, vous heureusement êtes que vous chaud, êtes là. vous Hein. êtes chaud. Ok, donc so you like a shadow. Like a Seeking shadow me for never no fall. reason, ou un truc comme ça, ouais. Like a shadow. You like a. Ah, attends, j'ai une idée, j'ai une idée. Shadow. J'ai une idée, attention, je me sens comme Gérard Darmon dans Astérix Obélix. J'ai une idée, Ça j'ai une vient. idée. Ouh, j'en ai deux, j'en ai trois. Ne faites peur, Ouh, patron. For to respiration. Ouais. Merci Attends, Slowly Colibri. shadow. Respiration. Shallow, Seeking me. ça veut dire superficiel, hein, c'est Bah ça? oui. Parce que on pourrait Ouais, je dire crois, ouais. shallow, shadow, you're like a shallow shadow. Shadow, seeking me for no reasons. Ouais, Enfin, ça pourrait pas, bah être. non, for no reasons, le haut niveau du sens, mais pourquoi pas. Seeking me. You're like a shadow, shadow, seeking me for no reason. Boum, mal, tu vois, genre là, ça nous laisse la coupure. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais l'écrire. Shadow. On va l'écrire. Like a shadow Attends, shadow deux secondes. seeking Shadow, me. shadow, taking me. With no reason. For no reason, non? With me, For tu vois. no reason. Like a Z. shadow, shadow seeking me for No no reason. reasons. Maelstrom. Ça le fait, hein? It's suddenly. J'ai dû le speeder le Your Like de la dernière. Mais j'écoute le chat. Qu'est-ce que il nous samedi, écoute le chat. Mais Spam-le, il va lire. Attends. ah tout le monde était chaud pour le haunting finalement. Ah. Ah, c'est à la place de hitting de seeking, c'est ça? Ok, ouais, je pense. Ce que j'allais dire, faut que ça rime. Ok, Like a ok, shadow, shadow, ok. haunting me for no reason. Ok, petit Only. rappel. Only. On avait Ouais, déjà parce qu'on avait déjà utilisé dans le premier haunting, c'est couplet. ça, ouais. Trying to haunt me. Ouais. Ouais, ok. Haunted C'est pas grave, ça shadow. passe. Non, C'est assez haunted loin dans le shadow. texte en vrai, tu vois. Ouais, non, ça roule, ça roule. Yeah, I've held it back too long and now it's screaming to get out of the word. I see it's not what it seems and not my rotting pretty dreams to break free from the chains that From bind the to chains shatter. about Unkind shadow illusion, you're again. like a shadow, shadow haunting me for no reasons. No Yeah! reasons. Ouais, ok, ça passe bien. Ouais. Like shadow, Bravo shadow. le chat!
Ouais, bien joué. Bravo, bravo. Et regardez, ouais. on a quasiment écrit un couplet. Bah, on a écrit un couplet ensemble, en fait, finalement. Bah, si, ouais, ça fait la taille d'un couplet, ça. Incroyable. Clap, clap, clap. Un grand bravo. Donc, c'est le. Attends, il vient où celui-là? Parce qu'il y a le couplet Because à. Je repasse sur toi. Bah, en fait, il viendrait après le premier refrain. Ouais, le because est là, ensuite il y a refrain, ça c'est après. C'est, ok, c'est... ensuite refrain, mandoline et le. Et toi le bridge, ouais. Est-ce que tu veux nous chanter ton bridge ou pas, Clément? Bah, ça dépend où on continue. On enchaîne jusque-là, ouais. Ouais, c'est-à-dire on enchaîne. Genre tu veux faire les prises? Enfin, on enchaîne, ouais, enfin, je sais pas si on a le temps forcément, ouais, mais tu sais, d'enchaîner because, repartir sur les. Ah oui, 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 oui. Ouais. Poser le refrain, tout ça, c'est vrai que ça peut nous prendre du temps. Ouais, ça va être long. Tant que je m'en souvienne du bridge. Donc il y a la mandoline qui se pointe ici. You told me down when I was at my worst. You told me now it's too late to reverse, to regret. Là j'aimerais bien d'autres mots si vous êtes chaud. Tu me sur le to regret et to move forward, déjà forward c'est chiant à prononcer. Et et puis to regret, je sais pas, c'est pas dingue. Je verrais bien autre chose ici. Ah ouais, il voit pas le texte, c'est pour ça. Ah pardon, oui, merde. Ouais, non, mais c'est moi, on était sur mon écran. Hop, voilà. Donc cette partie là, je sais c'est pas. Ouais, si ce que je sélectionne, il le voit normalement. Ah ouais, si c'est. You told me down when I, you told me down when I was at my worst. You told me now it's too late to reverse. Et là, to regret. Je sais pas, le regret, je le sens comme moitié. Donc si vous avez une autre idée, ça roule. Ouais, et ce serait pas mal d'avoir à la place de forward, ce serait peut-être pas mal d'avoir quelque chose qui rime avec rains. Ouais, j'avoue. Eh bien, j'avoue. Ça peut être la pluie, rain. C'est quoi la différence? It's raining today. Where is my umbrella? Salut Paritaire, bienvenue sur le stream. Ça fait trop plaisir de te voir, c'est cool. Salut. Donc ouais, on peut remplacer regret et forward. Le regret shadow, fait tâche selon Bambou Soup. Ouais, le regret, moi je suis pas. C'est pour ça, ouais, c'est celui-là que je voulais. Sophie, elle a dit Shallow Shadow. C'est, ouais, un peu casse-gueule. C'est un peu casse-gueule, mais bon. Tu dis Shadow, qui viendra? Oui, qui, à part toi, Sophie, qui viendra nous voir? Oussam propose. Là, disons, en le posant, ouais, là, faut le faire bien, mais. Oussam propose No Remorse, Moving On. Moving On, c'est pas mal, ouais. Alors, s'il faut un truc qui rime avec Reigns. On a Hammerman qui nous dit Far From. Alors, je suppose que tu voulais dire From. Paritaire nous dit vous n'utilisez pas ChatGPT pour composer. Non, parce que c'est nous, on aime ouais, l'organique. Tout seul. No Remorse, Far From Rain. Ouais, tout ça, ça passe. Ouais, mais Rain, ça fait peut-être trop Rain. Ouais. Brain. Train. Main. Main, comment Dame. Damn. Pain. Chain. Mais oui. Oh là là, le chat, vous êtes incroyable. You told me down when I was at my worst. You told me now it's too late to reverse. Je prends pif. No remorse. Et l'autre, c'était.
On avait... Alors on avait Break My Chains, mais alors le... on n'a pas déjà Break... Bah ouais, on avait... On a To Break Free From The Chains That Bind déjà free, un peu plus tôt. C'est pas mal Break My Chains. Donc si, si on décide... si on décide de mettre le Break... Feel My... On a le Feel My Pain. On peut mettre peut-être Drop My Pain, genre... Parce qu'on est sur le passage en drop mode... on dégage, tu sais, genre... Est-ce que ça veut dire quelque chose, Drop My Pain? Oh, ouais, pardon, j'ai laissé tomber vérifier. Ma douleur. Ah, oh, bah, pardon. Oh, j'ai laissé tomber comme ça. Ah, bah, on peut mettre Free From Pain ou Free From Desire, peut-être. Free ouais. From Desire. Ça veut dire quelque chose, Drop My Pain, du coup? Bah, j'en sais rien. Est-ce que vous savez dans le chat, moi, je suis là, moi, je mets des mots les uns à côté des autres, mais j'y suis pour rien, tu sais. Drop My Pain. Ou alors Drop My Pen. Comme ça. Au moins ça veut dire quelque chose. Drop My Pen, c'est d'un coup. Nananananananana. Ben c'est. Ouais, na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 n
Et donc effectivement, là on viendrait sur le No remorse, no more pain, time has come for me to take the reins. Ouais. Et là, bam, tu vois, genre. Parce qu'en fait, du oui. Coup, tu as expliqué enfin les fortes respirations. Les fortes respirations. On va pas chanter fortes respirations. Oui, l'idée c'est pas de dire fort respiration. L'idée ce serait plus de mettre un effet avec un. Bah, là on l'entendait avec le son de Clément. Tu sais là. Ouais, le... on en avait déjà posé. Est-ce qu'on en avait que deux. C'était on... fois deux. Ouais. C'était des fois deux. Le... Parce que son... Non. Ah, c'est là, attends. En fait, l'idée serait de partir un peu dans ce truc-là et de mettre un peu comme, vous savez, les gens... C'est hyper glauque ce que je vais dire. Les gens qui sont à l'hôpital. Vas-y, lance-toi. Dans les séries et qui meurent. Et genre, on entend le bruit qui fait bip, bip, bip. Je sais pas comment en s'appelle fait, ça cet outil. Passe le, je dirais cardio. T'as dit c'est un cardio quelque chose, certainement, mais. J'ai envie de dire cardiomètre bêtement, mais non. Oui, c'est un mais. Électrocardiogramme. Oui. Mais un électrocardiogramme, pour moi, c'est pas ça, mais. Mais peut-être qu'on a des gens dans le chat qui sont hyper calés. Mais là, ça passe parce que t'as dit dans les séries. Oui, parce que... ça passe mieux. Mais... J'ai senti la délicatesse quand même de dire dans les séries. J'ai failli dire dans la vraie vie, après je me suis dit c'est peut-être un peu glauque. On a Oussam qui nous dit un cardio-fréquence-mètre. Donc bah écoute, on va partir cardio-fréquence-mètre. Un électrocardiogramme, yeah. Enfin, un monitoring cardio, un scope. Eh ben oui, Claire Christian travaille dans la santé. Il a dit scope. Donc ce sera scope. Voilà. Voilà, il a mis tout le monde d'accord, ou peut-être pas, mais ouais, non, donc du coup, ce son-là, en même temps, qui viendrait avec le Larsen de ta guitare, Clément, est-ce que tu peux nous remettre ce petit passage? Ouais, c'est ici. Bip. Il n'y a pas besoin de le sampler, c'est bon, tu l'as. Pas besoin de chercher un son, on l'a. Mais tu sais, il viendrait genre... T'as ton Larsen avec le cut, et là on aurait ce truc genre bip avec le. Avec un. Comme quelqu'un qui se réveille par exemple d'un cauchemar en sueur et tout machin, et ça ferait genre. Voilà, et là, pam, on part avec le gros son quoi. Non mais ouais, carrément, j'aime bien ça moi. Faudra le caler, on cherchera le sample. Oui, on va le trouver, ouais. D'un électrocardiogramme monitoring. Et d'ailleurs, on pourrait on pourrait mettre genre pendant le Larsen, c'est genre le bip du scope, justement. Tu sais, de la fréquence cardiaque. Bip, bip, ouais. Bip. Ouais, 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 il peut nous servir en même temps qu'une Kessler ou un truc en même temps. Ouais, exactement. Et c'est ça qui va nous faire notre liaison avec le passage final. Et on va peut-être terminer là-dessus. Mais est-ce que vous avez une idée un peu de... Parce que là, pour l'instant, on a que de l'instru sur ce passage-là, sur ce passage vénère. Est-ce que tu peux nous le remettre un peu, Clément, s'il te plaît? Est-ce que on chante dessus? Est-ce qu'on chante pas dessus? Est-ce que... Bah, on a bien tartiné avant. Moi, je le laisserais bien. Et là, on reprendrait. Tu détaches tes cheveux et tu fais ça. Oui. Dessus. Est-ce que là, on rajouterait? Tu sais, sur la deuxième partie, du coup. My ouais, c'est vrai qu'il y a de la place. Ouais, si, des petites phrases du refrain sur la deuxième partie. Il y a la place carrément, ouais. Sophie dit pas de chant du tout sur les deux. Du tout. Genre, on laisse vraiment après, une grosse long, dans ce parti. Ouais, c'est un peu long. Clément, il faudrait peut-être que tu nous fasses un solo de guitare, en vrai. Bah, solo de guitare, ce serait plutôt en deuxième partie. En deuxième partie, ouais. Mais ça pourrait aller donc, avec le refrain, parce que tu sais, le refrain, c'est genre juste Maelstrom, là. C'est. Ouais, là-dessus. C'est vrai que j'avais parlé d'un solo de guitare en plus, ça m'a un peu là-dessus. Ouais, ok, ouais, solo de guitare ici. Hein. Solo de guitare ici, et puis à la rigueur, on peut vraiment juste dire Maelstrom, tu vois. Pas My Hell's Done, tu vois, genre. Ouais, faudrait une réverb de l'enfer derrière et un bon délai pour faire la liaison entre ça et ça. Tu vois ce petit trou oui, là. Oui. Bon, on fera de l'arrangement dessus. Bah, avec le son du scope, hein, le son de l'électro, cardio, mètre, fréquence, scope, mètre, salade, tomate, oignon, intérieur, cuir. Intérieur, cuir. Ou alors un petit wou-wou.
ou un petit slurp ou un petit ah. Tu vois. Ah, des sons. On en a des onomatopées, on a de quoi faire, tu vois. Il y en a un masse ici, là. Ouais, il y a ce qu'il faut. On a vraiment de quoi faire. Ouais, ok, ça marche. Bah, ça fait plusieurs idées. Bon, déjà solo. Il va falloir pondre un solo. Ouais. Ok. Et maintenant, maintenant. Parce que ouais, je vois le temps qui file. Donc ok, on va garder certainement Maelstrom sur ça. La question qu'on va se poser maintenant et qui est importante, c'est de savoir sur la prochaine session, est-ce qu'on continue sur ça, ou alors est-ce qu'on repart de zéro sur un autre son, et nous on continuera derrière à travailler hein, sur Maelstrom. Bah, comme il y avait pas mal d'idées des gens qui sont arrivés, bon je parle pas pour eux, ils vont nous dire, j'ai l'impression qu'ils vont être plus chauds pour un nouveau son. Ouais, j'étais en train de me dire que ce serait peut-être pas mal de partir sur quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? Dites-nous, qu'est-ce qui vous intéresserait de faire? Ouais, c'est ça, ouais, Sophie a dit comme toi, Maelstrom sur la deuxième partie. Bah c'est ça, ouais. Ouais, donc du coup quelque chose de neuf, ok. Quelque chose de neuf. Et ben, on peut partir sur quelque chose de neuf. Une nouvelle chanson. On recommence tout. Ah, c'est marrant aussi ça. C'est genre là, tu vois, je prends tout là. Bah. Supprimer. Ouais, un gros sup là. Ciao. Ciao, bonsoir, c'était ZS. Un sup et un save derrière. Bam. Un stream gaming, ah stream ouais, gaming. Nous lance pas dessus, frérot. Ouais, nous chauffe pas, par contre, parce que là, on a l'air d'être en train de bosser, mais nous chauffe pas. Nous, on est là, genre, à dire, ouais, on fait du son, mais, tu sais, 95% du... Après tout, on est sur Twitch. Hein. C'est vrai que ça se suffirait. On veut faire un style atypique. Un style atypique, mais qu'est-ce que c'est qu'un style atypique? De la warm-up, c'est un peu atypique en soi. J'essaie de vendre le truc. ça nous arrange bien, d'ailleurs. Ouais, ça m'arrange de ouf, tu vois. De la trappe. Non. non, bah en tout cas, on va y réfléchir et la prochaine fois, on repart effectivement. C'est... Il est bon, lui. Ouais, Oussam, il est grave chaud. Grave chaud de la drill. On repartira de zéro du coup la prochaine fois pour un nouveau son. Donc, venez avec des nouvelles idées, venez avec des gens qui ne nous connaissent pas aussi. Parlez-leur de ce qu'on vient d'accomplir cool, aujourd'hui, qui est quand même incroyable. On a quand même écrit un fucking couplet ensemble, c'était trop cool. Et donc nous, on continue à travailler sur Maelstrom, sur le Slurp Song, et promis, il va sortir sur les plateformes de streaming. On vous tiendra au courant sur nos prochaines sessions de stream, sur l'avancée un peu de ce qu'on a fait, on vous fera écouter éventuellement. Et puis voilà. Quoi. On a un peu de taf, tu sais, reposer les guitares, mais ça roule, on mixe, les voix. On pose les chants, tout ça, et puis c'est bon. Hein. Ouais. Non, c'est bon, ça va arriver. Trop bien. Bah, en tout cas, un grand, grand merci à vous, le chat. Merci d'avoir été présent. Merci à ceux qui sont venus en nombre, là, le raid, c'était cool. Ouais, grave, merci pour le raid de ouf. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Et puis, nous, on se retrouve bientôt. N'hésitez pas, encore une fois, à rester sur nos réseaux, que je remets juste ici, à suivre nos aventures. On a si vous étiez sur la salle d'attente tout à l'heure, enfin sur le timer, on vous a mis une émission de radio sur laquelle je suis passé, donc Clément n'était pas dispo, mais on parle du projet, je l'ai sorti sur les réseaux, donc c'est sur Instagram, Facebook, il y en a plusieurs qui vont arriver là toutes les semaines, donc restez au courant si vous voulez en apprendre un peu plus sur le projet, et on se voit... Allez streamer sur les plateformes. Allez streamer à fond de balle. Ça, c'est cool aussi. Et puis voilà, c'est tout. On vous aime. Merci beaucoup de prendre part à cette aventure. Ça fait grave plaisir. Et on se retrouve très bientôt. Désolé, c'était bien trop fort. Passez une belle soirée ou une bonne merci après-midi. À vous. Vous étiez en nombre ce soir, c'était cool. Ouais, sur le stream. Tac, je nous remets nos grosses têtes comme ça pour vous faire des bisous. Belle soirée et à très bientôt. Bye bye. Salut. Eject me from my dreams. Gotta feel up, tease up.
the morning to get ease. And wait again for the curtains cold. Taste the bitter and embrace the whole. But I'm getting dull. Yeah, I'm getting dull. Cause I leave my bed at 5 a.m. Running in the dark just to get my train. Sweaty morning, full of stress. Many times on the ring, before we come to university.